Bonsoir. Bienvenue sur un nouveau live de Holycube. Et vous avez déjà envoyé un train de la hype, c'est ridicule. Calmez-vous. Merci Nokira pour le 51e mois d'abonnement Prime. G3PR pour le 8e mois Prime. Et Aetas pour le 2e mois Prime. Merci à vous. Et bonsoir. Alors... Ce soir, bah, on est sur Holycube. On va aller farmer un petit peu de glace pour le couloir du Nether. Et bah là, j'ai une map dans la main et on va la faire cette map parce que vu que j'ai pas de mod avec la map, j'aimerais me débrouiller sans. Donc on va faire une map vanilla. Merci Tekafred pour le 4e mois d'abonnement et merci Lodess pour le 22e mois d'abonnement. C'était bon les Faritas. C'était bon, du coup clic. Oh, il y a eu des ventes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Clément qui a acheté un t-shirt noir. Je vais me mettre en vocal, du coup je suis avec les copains. Il y a Mayuko, il y a Mew et il y a Tungsten. Donc vous vous doutez bien, c'est Tungsten, ça va être le bordel. Pardon. Go, donc voilà, j'ai fait une map. Ici là, et je vais remplir d'abord la map. Notre base, elle est là. Et en fin de compte, c'est pour que je puisse moi me repérer. Étant donné que j'ai aucun sens d'orientation et que j'ai pas envie d'ouvrir à chaque fois un PNJ à côté de mon autre écran pour pouvoir regarder c'est quoi la map. Donc bon. Oui, il y a eu des pseudos qui ont été ajoutés dans des factions. Je sais pas qui l'a fait. Mais du coup, tout n'a pas encore été fait parce qu'ils ont fait ça avec les personnes qui étaient présentes sur le serveur. Donc je sais pas. C'est peut-être... Non, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Bref, go! Le mieux c'est à la base? Ok. Allo? Ah! Oui! J'ai pas eu peur! J'ai pas eu peur, c'est vous qui avez eu peur d'abord. Bon, allez. Merci Nexo pour le sub, bienvenue! Bon alors, elle est où cette mer de glace? Ouais. Non, j'ai jamais peur. J'ai jamais peur. Les gens sur mon chat qui disent que j'ai eu peur, j'ai pas eu peur. D'abord, c'est eux qui ont eu peur. Hein, Mel, que c'est toi qui as eu peur aussi. C'est Lucide qui a eu peur. Ah, Lucide, elle a eu peur. Elle a eu peur. En même temps, je l'ai un peu fait exprès. Hein. Elle était tranquillement dans son coin hier quand tout le monde est parti. Ouais. Je me suis connecté en vocal, j'ai fait Lucide. Et du coup, bah, je crois que je lui ai cassé son cœur. Et c'est ainsi que ML raccourcit la vie lucide de 10 ans. Au moins, ouais. Au moins. Pourquoi il y a des portes partout? C'est pour les courants d'air et la sécurité. Voilà. C'est des portes anti-feu. C'est anti-explosion. Parce qu'il y a des fuites de gaz chez Mayu. Alors on met des portes. Ça spoil la vie privée. Mais elle a dit en stream. C'est pas faux. Voilà, donc le chat, pour ceux qui sont pas au courant, il y a une fuite de gaz chez Mayuko. Ouais, voilà. Parce qu'elle a pété trop fort. Non, ce n'est pas moi. Voilà. Je suis désolée. Est-ce que c'est mieux le tabliste? Ah, je vais regarder. Oups, c'est pas ça. Ouais, oh, on a la meilleure des couleurs en plus. De quoi donc? Trop bien. Bah on est en bleu, en cyan, en bleu clair. Ah. Oui. Mais du coup, c'est Jewom qui a fait ça. C'est Jewom. Merci Jewom. Jewom, il est trop fort. Eh ben il a encore du boulot. Jimmy, il est rouge. Kéops, il est quelle couleur, Kéops? Il est vert? Aucune idée. Je me suis bien remis de 24 heures, ouais, ça va. Ça va bof, hein? Bah, disons que je me suis couché après mon live. Je me suis couché, il était 23 heures. Mm-hmm. Le temps de faire à manger, de regarder ma petite série tranquille. De m'envoyer une petite photo de ta bouffe qui était très importante. Ouais, tu m'avais demandé, je l'ai envoyé. Bah oui, et j'en étais très contente. Et tu t'es réveillé à quelle heure? À 7h du matin.
Ah oui, ça fait une petite nuit quand même. Bah ouais, donc bah, je me suis levé, j'ai bossé tranquillement. Sauf que arrivé vers 15h, je fais « Ah, je ferais bien une petite sieste là !» Et je me suis réveillé 10 minutes avant de venir en vocal avec vous. D'accord. Ouais, les 24 heures, ça va me recaler. Mon cul. C'est encore pire qu'avant. Tac, tac. Oh, j'ai ma pioche, elle est pas dans ma... Je sais pas si tu connais l'astuce, mais tu peux poser des bannières renommées. Ouais, ouais, si, je connais. Faire clic droit dessus et puis pouf, avoir le nom dessus. Eh oui, monsieur, je connais. Ah, c'est, apparemment, c'est pas tout à fait GWOM. C'est, il est en train de corriger et ensuite à aller râler auprès de... Enfin, à aller disputer Aurélien. Oh. Oh, mais t'as de la glace, Miu. Ouais, j'en ai pris un peu. J'ai raté la sortie. Mais je pense que j'en aurais pas assez. Est-ce que c'est de la Blue Ice? C'est de la Packhead. Oh, c'est pas la bonne. Mali l'a dit, il faut mettre de la boue. Hein. Ah. Bah, même couleur que nos pseudos. Faut... Quoi que tu me diras, la Packhead c'est un peu bleu comme ça aussi. Ouais. 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 C'est pratique de faire une map penchée comme ça. Ouais, au moins il y a déjà de la glace. Oh, ces montagnes. J'en pense quoi de la nouvelle génération 1.18? Elle est dégueulasse. Oh. Tout à la poubelle. Oh. Non, elle est bien. Elle est très bien. Elle est bien. Je l'aime beaucoup. Je fais une carte de la zone. Oui, c'est pour moi parce que j'ai pas de minimap. Beaucoup de joueurs ont mis des minimaps. Moi, j'ai décidé que cette saison, j'en prendrai pas. Que je jouerai Vanilla. Donc, je joue Vanilla. Je fais une map Vanilla. Tu vas la garder à la main et tout? Bah si je veux me déplacer, oui. Là, c'est chez Jean-Jacques. Oh, mais c'est... Attends, je vais dans quelle direction là? Bah, c'est bien par là qu'il faut aller. Bonsoir, comment peut-on voir les membres de ta faction? Alors pour voir les membres de ma faction, il faut me dire fais tab. Tab, voilà. Il y a Mayu, Kyomyu et Tungsten. Dans cette direction il faut aller? C'est par où? Je suis à la base de Jean-Jacques, mais je trouve pas là où c'est ces trucs. C'est peut-être par là. Merci Laurent pour avoir acheté un tapis de souris. C'est pas là. C'est par où la base de Jean-Jacques? Ah, j'ai trouvé. Il y a un petit panneau et après tu suis les torches. Ouais. C'est derrière le village. J'ai trouvé. Mister Sandman. Oh, j'ai pas mangé. J'ai oublié. Oui, je vais essayer de ne pas mourir pour cette saison. C'est mon let's play hardcore. Si je meurs, j'arrête de jouer. Ah bon? Ouais. C'est vrai? Oui. J'ai qu'une vie, hein. Comme dans la vraie vie, hein. Mais non. Ah bah tu si. Tu peux pas faire ça. Ah bah si. Hein. Bah une mort, tu meurs demain, c'est fini. Ah oui, bah si. Là, si je tombe dans une grotte et que j'ai pas fait attention que je suis mort, bah. C'est fini. Mais non. Du coup, il y a qu'un seul moyen de ressusciter, c'est. Le don d'argent. Et à combien tu estimes ta vie du coup? Oh, très cher. Ah bah super, hein. T'es sûr que t'es pas de la stonge toi? Moi non. faut bien vivre, hein. Du coup, connaissez-vous Twitch Prime?
Ah oui, si vous avez un Prime qui dort, donnez-le. Mew? Ouais. Pour aller au portail du spawn, il faut que je redescende ou est-ce que je peux passer par le couloir? C'est tout droit. Le grand couloir, faut que tu le prennes, t'avances tout droit et t'y es. En essayant de pas tomber. Normalement, j'ai tout rebouché. Non, c'est merci, pas vrai. HMX, pour les 5 bits. Ah, bah je vais le faire alors. Mais de toute façon, vous débourserez pas un sou puisque je ne mourrai pas. Bah t'as pas le droit de mourir. Bah non. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Hein? Ouf. Silktuch. On va même planter un guide. Oh. Ça j'aime bien ça. Des ouvertures de grottes comme ça dans les montagnes. Oh, c'est tellement stylé. Alors, on me dit dans l'oreillette que mourir est un sacré manque de savoir-vivre. Je suis un peu d'accord. Pour le coup, je ne peux pas dire que c'est faux. C'est totalement vrai. Merci, je m'explique pour les bits. Voilà une vie d'avance. Merci, Impérator, pour le 19e mois. Une vie d'avance. Ouais. Alors, ouais, merci Jean-Jacques pour le livre. C'est ça, ouais, on est reparti. Moi j'irai même plus loin. Merci HMX pour les ML. 80 bits. Oui. Faut pas mourir. Je ne mourrai pas. ML, t'es mort? Non. Et là? Non. Et là? Non. Et maintenant? Non. Et maintenant? Attends, je tape une abeille pour voir. Non. Et maintenant? Non plus. Du coup, t'as une grosse barbe? Oui. Et maintenant, t'es mort? Non. Ah. J'aurais espéré qu'il y ait une erreur et que tu dises oui au lieu de non et non au lieu de... Jamais d'erreur. Ah, ouais, mais du coup, si tu meurs, ça sera une erreur. Non. Donc quand t'as une erreur, tu meurs. C'est non, ça, c'est le cycle de la vie. C'est une erreur. C'est faux. La mort est une erreur. C'est faux. D'abord, c'est vrai. C'est non. Ah, il y avait écrit par là, j'avais pas vu. J'avais pas vu, il y avait un panneau avec écrit par là pour la base à Jean-Jacques que j'ai cherché pendant au moins 3 minutes de même. Merci Troskin pour les 10 abos offerts à la communauté. Merci à toi. Et bien vu, dis nouveau. Faut te tuer. C'est pas gentil. Faut me tuer. C'est pas... Bah, je sais qu'il y a une. Comment, il y a un service d'assassinat sur l'iCube. J'espère que s'il y a un contrat sur ma tête, il est très très cher. Ouais. Bah, techniquement, si tu. Tu sais, dans le doc sur le RP là. Il y a. Ah, bah, ils seront obligés de me demander si je suis d'accord. Ouais. Parce que moi j'ai dit que le RP c'est non, sauf si je dis oui. Donc ouais. C'est non de base. Il faut venir me demander. Et si je décide de dire oui, c'est oui. Si je dis c'est non, c'est non. Ouais. C'est pratique. Moi j'ai mis YOLO. Du coup les gens ils peuvent venir me tuer. Mais je pleurerai un petit peu. Mais ils ont le droit, mais je pleurerai. Mais ils ont le droit, mais je pleurerai. Tu pleurerais, t'as 6 morts. C'est pas grave. Bah si, je pleurerai quand même, je passerai à 7. Bah 7, ça porte bonheur. Ah bon? Non? Chez qui? Chez qui, Kadisha? Je sais pas. Ah bah voilà, il y a un bandit. Bah pas de fin non plus, non, ça va aller. Toutes les bestioles que j'ai tuées, ça devrait le faire. J'ai de la bidoche. Raccorde le chemin de la base de Zaig parce que sinon c'est un peu embêtant d'avoir le genre joulé qui se retrouve coaché. C'est par où la base? C'est par là.
Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible. Waouh. Du coup, je savais même pas. Dans la Bible, il va mourir. Arriver à la base avant de mourir. Je suis tombé sur un village. Tu comptes faire quoi ce soir? Faire cette map. Au moins, comme ça j'ai de quoi me repérer. Et j'ai dézoomé la map à fond. Comme ça je prends le plus de chemin possible. Et ensuite ce que je vais faire, c'est mettre des... Comment? Des bannières, comme l'a proposé HL dans le chat. C'est tellement bien ce voice chat là. Ah ouais? J'étais en train de parler avec Smithy et Jimmy au spawn. Ah. C'est cool hein. C'est trop bien quoi. Ça marche bien. Il a bien avancé son four, Jimmy. Ah ouais? Il est en train de faire un four géant. Oh, je peux l'aider. La neige encore. Bonsoir, ce qui bon, arrive. Je vais vous aider. Ouais. Ouais. Attends, il y a un autre village. Eh. Silk touch. Allez. Maintenant, on va casser de la glace. Mais il faut pas silk touch pour la glace, tu tues. Bah si. Ah bon? Ah bon? Depuis quand il faut pas silk touch? Bah, non mais je sais pas que j'ai fait tout ça pour rien. Si si, il faut silk touch, hein, je confirme. Hein. Ah bon? Ah oui. Et si tu fais pas avec silk touch, ça fait quoi? Ça te donne quoi? Bah rien du tout. Ah mais c'est embêtant. Bah un petit si, peu. Si, on confirme qu'il faut silk touch. Hein. Ah bah oui oui. Hein. Oui. Bah, putain, déjà j'ai pas passé une demi-heure à aller chercher du silk touch. Je suis un Minecraft vétéran, hein. Croyez-moi sur ma parole. Tu es à la boutique à Zazag. Bah You a dit des bêtises. Hein. Qu'est-ce qu'on peut casser pour la glace? Je peux casser les gros pics là? Ou c'est dommage? Je sais pas. Je sais qu'il y a un. Qu'il y a un biome dans l'océan avec de la glace. Pas très loin. Mais là, je sais pas du tout dans quelle direction. Ben là, on a à côté un biome avec les gros pénis de glace. C'est pas des pénis! Oh, c'est des Mister Freeze! C'est pas très beau. Non, j'en ai coupé pour parler. Ah bah voilà, je tombe. Je suis tombé sur un océan avec la glace, justement. Bah moi, je vais couper un pénis. J'aime bien. Ah, tu dis ça avec tellement... Kiki. Ouais, kiki, ouais. Ouais. Kiki. Allez, on va couper. Squeak. Ah non. Squeak. Personne ne tue personne. Non, personne tue personne là. Eh oh, dis donc, eh. C'est bien bon. C'est le touch. Ah, t'avais bien fait de poser la question. Tu tues pour les gars là qui vont tuer des gens là. Bah ouais. Bah oui, faut être d'accord en fait pour se faire tuer. Bah normalement, je peux. Vu que ça fait partie d'un plan RP, oui. Bah oui. Après PVP, bah il faut regarder ce qu'on a marqué dans le doc. Bah c'est ça. Le truc c'est que, en gros pour ceux qui savent pas, on a fait un doc, un Google Doc classico-classique. Merci Jean-Jacques. Il y a Jean-Jacques qui me donne du poulet. Il est trop gentil. Oh, tu te manges toi-même, tu tues. Ouais. Et on a fait un doc. Dans lequel on écrit si on est plus ou moins pour genre tout ce qui est PVP, RP et tout ça. Parce que comme on est énormément de joueurs cette saison, c'est un peu compliqué de demander à chaque personne. Enfin, l'idée c'est pas de créer des conflits inutiles quoi. Voilà, parce qu'à la saison précédente, le RP c'était une catastrophe. Disons-le. Merci Jean-Jacques. Oui. Elle me donne des patates et tout, hein. Mais elle est trop gentille Jean-Jacques. Donc moi j'ai mis PVP d'accord, mais sans tuer. Dans le doc. Ah mais moi je l'ai pas rempli. Ah bah faut le remplir hein. Ah bah oui. Moi j'ai mis YOLO. Les gens ils peuvent venir me tuer, je m'en fous. Je
je vais le remplir tout de suite. Les gens peuvent venir me tuer, mais s'ils me tuent, j'appellerai Mayu. C'est dans quoi? C'est dans info? Ouais, c'est dans faction. Ouais, c'est dans le deuxième truc, je crois. Ouais. Alors, la légende raconte que si on tue 100 fois Vartak, on obtient une pioche unbreakable. Ouais. Bah dans le doute, on va les tuer Vartax, hein. Dans le doute. Je suis pas sûr que ça marche. Bah, dans le doute. Par contre, on peut faire un data pack pour que ça marche. Oh, un data pack, dès que tu tues Vartak, t'as un livre avec un enchant aléatoire. Oh. Mais que des bas niveaux. Oh. Et ils sont pas fusionnables. Dans ce cas-là, je veux un data pack où, quand on me tue, on a le générique de fin, comme si on avait fini le jeu. You win. Quand on te tue, il y a le serveur qui crache. Oh. La vache, c'est violent. Si tu meurs, tout le monde meurt. Bonsoir ceux qui arrivent sur le chat. Non, c'est vrai que Vartak n'a pas besoin de nous pour mourir. Mais Vartak, il va faire plus attention à ses morts. Je crois pas qu'il ait un objectif de mort cette saison, non? Je sais pas. Je crois que ça lui avait suffi la saison dernière. Ouais. Ah, c'était pour marquer le coup? Mais surtout quand la saison précédente, il a passé quelques semaines à mourir en boucle pour pouvoir plier son truc. Ouais. Parce qu'il était... il était loin des 4000, je sais pas trop quoi, hein. Des 42, 69. Et moi, si on me tue. Ah oui! Il faut faire un attaque où quand je meurs, ça fait spawner des poulets. Puis des poulets comme dans Zelda, qui attaquent les joueurs et qui sont increvables. Des poulets avec le même comportement que le lapin, le killer bunny. Ah oui. Merci le farmer pour le 9e mois. Bien le bonsoir, enfin de retour. J'ai fait de la merde, j'ai supprimé mon nom. Quoi? Tu fais CTRL Z? Ah oui. Mayu là, tout cas, c'est. Mais je voulais effacer ce qu'il y a écrit à côté là, qui a pas rempli. C'est tout. Qui c'est qui a noté ça à côté de moi? Qui c'est qui a noté quoi? Attends, je vais sur le doc. Marqué Mayu qui a pas rempli PVP tout le temps. Olicube c'est aussi. Je suis en train de l'effacer. Non. Top général. Regarde ce que c'est noté à côté de moi. Ça va plus vite. Je vois pas. Entouré. Mayuko, ah oui, qui a pas rempli. PVP tout le temps, d'accord. Je l'enlève ? Oui, il faut laisser que Mayu. C'est bon. Merci. T'as rien. Merci. Si tu veux pas tout enlever, il faut. Tu vois dans la petite barre du haut. Il y a marqué. Ah, bah j'ai récupéré une autre tête. Matin, là. Ouais. C'est bien les docks. Bon, bien, les bonsoir, docks. Ça fait plaisir de voir le retour de la phase cam. Bon stream à tous. Merci des aides Misty pour le 7e mois. Est-ce que tu as déjà parlé de ma passion pour les Google Docs? Qu'est-ce qu'il dit? Pardon. Hein, quoi, hein? Non, mais les Google Docs, c'est trop bien. Ouais. D'accord. Elle est bien faite, la page avec l'historique, hein? Je l'ai pas regardée, du coup. Enfin, si, je l'ai regardée, mais je l'ai survolée. Je fais, ah ouais. Oh. Voilà. On peut avoir des sushis d'ailleurs. Ah bon? Ah ouais. Attends, on va dire merci à Lucide. Hein. Celle qui voulait des sushis. Oh. Ah ouais, il y a des makis et des sushis. Oui. Oh, il y a des têtes de chocobo. Pourquoi il y a une tête de chocobo? J'aime bien la tête de chocobo. Bon, je suis content de la tête de chocobo. Bah, il faut renommer un poulet chocobo. À jour. Oh, c'est trop bien. J'en veux plein. Et c'est 100% à les loot. J'ai fait en sorte que les têtes soient 100%. Oh, c'est cool ça. Ouais.
Ouais, parce que bon, tu utilises quand même un name tag. Hein. Et que oh Jeb. Jeb, où ça marche pas 100%. Le truc avec l'Underman, là. C'est trop cool. C'était quoi, déjà? Le pot d'améthyste. Ah, oui. Ça, c'est super cool. C'est trop bien. Je sais pas où je vais. Je viens d'où? Je suis perdu. C'est tant pis. Là. Un chocobo, on peut le monter. Mais non, c'est juste la tête. C'est un chocobo, il est décapité. Ouais. C'est pour mort. Mettre sa tête sur notre tête. Tu sais, comme Mr. Bean quand il met la tête dans son quoi? Comment ça s'appelle déjà? Dans sa dinde. Quel enfer. Mais pourquoi? J'aurais pu mourir ici. Mais heureusement, je ne suis pas mort. La tête de poulet, je l'ai. Jaja. Je vais arrêter de tuer les animaux maintenant. C'est bon. Tu t'as tué combien de poulets pour avoir ta tête? Statistique mob 73. Ça va. Oui, ça va. Le coup des neuf. Ah non, je rajouterai pas à toutes les têtes de mob en version dinner mode. C'est non. Jean-Jacques me fait don de patates. Il est gentil, le Jean-Jacques. Et petit rollback quand même, hein. Ah ouais? De temps en temps, j'ai eu aussi. Ouais. Après, c'est peut-être parce que j'explore vu que je fais la map. Je sais pas. Parce que je suis tombé sur plein de villageois qui n'étaient pas pillés. Enfin, plein de villages. Mais du coup, quand tu fais la map, il y a des choses que ça affiche dessus ou c'est juste vu du dessus, tout simple? C'est juste vu du dessus. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des bannières renommées, les poser dessus, et comme ça, on aura des espèces de balises sur les minimaps. Comme ça, quand on regardera la minimap, on saura... Par exemple, là, je suis tombé sur un biome avec plein de birch, je pourrais marquer birch forest. Et on pourra savoir que c'est un birch forest. En tout cas, dans l'objectif... C'est comme avoir des waypoints, mais sur Minecraft. Oh, il faut tant de paquets d'ice pour faire la blue ice, c'est terrible. Eh oui. Oh la vache. Mais pourquoi tu nous as dit de faire ça? Bah, c'est toi qui veux mettre de la glace, hein. Bah oui, mais on met quoi si on met pas de la glace? La blue ice, ça va plus vite. D'accord. Merci Pluck pour le 16ème mois prime. Ah, on me demande si la table liste elle est bonne. Ah, toujours pas le bon. Oh, je pense. Je sais pas. Ah, y'a Anaï. Je l'aime bien, Anaï. Il est probable que ça soit bon. Merci Lucas pour avoir acheté un t-shirt. Alors je dis merci, mais ça se trouve, les personnes n'achètent pas en regardant mon stream. Mais je dis merci quand même, c'est la moindre des choses. Et puis c'est bien. Acheter les t-shirts, hein, nous payer des vacances. À Disney. Moi je vote pour Disney. Vive Disney. Disney c'est cool. Dis à Mayu qu'il y a de la blue ice dans les icebergs. Il y a des c'est blue ice dans les icebergs. Faire les dames sans barbe. C'est pas gentil de faire souffrir les dames sans barbe, mais qui les fait souffrir? Il y a pas de dames sans barbe ici. Ah si, Mayu, elle a pas de barbe. Elle a une jolie petite moustache. Mayu qui répond pas. On a perdu Mayu. Faudrait que je mette de l'eau dans mon bucket. Là c'est dangereux. Je vais déconnecter là moi pour aujourd'hui. Okay. Yes. Merci. Bonne soirée tout le monde. Et à demain. Bonne sûrement soirée. Oui. Salut. Ciao. Alors. Ça y est, j'ai ma shield touch, j'arrive. Ta shield touch? Oui.
Moi je vais mettre des dalles. On sort ce qui arrive. Dalles, hein. Je sais pas si on met pas des. Pour faire les rails. Ouh, il y a plein de glace là-haut. Pour faire les rails. Il faut un stick des... au milieu et 6 lingots non, de fer. Non, 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 des rails de coke. Des rails de coke. Ça va bien se passer. Pour la drogue et les putes, on fait quoi? Pardon. Ah bah, si vous avez Twitch Prime, n'hésitez pas. D'accord. Est-ce que vous avez Twitch Prime pour nous aider à acheter la drogue? Oui, pour acheter du sucre, de Malteser. Du sucre en poudre. Faut réfléchir. Je pense que je vais mettre un truc en bois pour faire genre c'est les rails. Je pense que ça tiendra mieux. Enfin, ça tiendra mieux. Ça fera plus joli. La farine très fine. Ouais, non. En vrai, on peut prendre juste la glace qu'il y a là, non? C'est quoi qui est à côté là, de la maison? Là, c'est de la packet ice. Il faut de la blue ice. Donc, à chaque fois, tout ce que tu prends, tu divises par 8. Ah oui. Pour le 17ème mois. Ou 9, je sais pas compter. Donc, ça fait peu. Bah, 9 ça égale fait 1. Pas beaucoup. Et merci, Lutin Simon, pour le Prime. Ouais, bah c'est parti, allons mini du la love. Ça se fait. Ah, oh, c'est beau Minecraft maintenant quand même, hein. Ouais. Il y a des montagnes, il y a des trous et des boss. Ah, oh, c'est beau. C'est beau. Je vais le mettre en bas. Mayu. Oui. Est-ce que je peux avoir ton avis d'experte décorationneuse? Si tu veux. Parce que, en fait, je suis en train de faire le chemin du Nether. Enfin, je suis en train. Je mets des dalles. Et je sais pas si en termes de déco, pour faire des rails plus tard, faut que je mette la dalle au même niveau, au-dessus ou en dessous. Je sais pas ce qui est plus joli. Ok. Je t'attends, Maï. Bonsoir. Ça me dit quelque chose, Adouma, oui. Alors, ce soir, je devais faire un peu de glace pour le Nether. Et vu que je ne savais pas où aller parce que je voulais chercher un biome iceberg, j'ai décidé de faire la map dézoomée à fond pour avoir une map de ce qui nous entoure. Donc, je m'occupe de la map pour le moment. Je vais remplir celle-ci et une fois qu'on aura rempli celle-ci, je pense que j'irai farmer de la glace, sauf s'ils ont pas fini. On verra. Je suis là, Tutu. Pardon. Non excusé. Ah non, je suis désolé, excusez-moi. Ouais, mais bah je t'ai raconté une blague, t'écoutais pas. Bah non, j'écoutais pas d'abord, j'ai pas tout le temps là. Bah voilà. Mayu, tu t'en penses quoi si on met les. En gros, on va faire des rails, donc il y aura des trucs de chaque côté. Les rails, elles seront où? En fait, on fait pas des vrais rails. On fait un non, truc faux. Non, je suis pas malade. Ça serait un truc faux. Oui, ok. Ça ressemblera. Et là, en bateau ici. Et du coup, on sera en bateau ici. Et il y aura les trucs qui seront transversaux. Tu sais, qui vont couper bah là oui, pour faire bah des ouais. rails. Sauf que ben, là, ça passera pas, tu vois. Ah enfin, oui. ça passera pas. Ça passera par-dessus. On le verra pas. Enfin. Oui, ok, ouais. Voilà. Du coup, je sais pas si le truc du milieu, je mets en dessous, en dessus, au même niveau. Parce que moi, je l'aurais mis bien au-dessus, tu vois. Comme ça, on fait comme bah ça. Oui. Et on met des rails transversaux. Bah ouais, moi j'aurais fait pareil. Oui, j'aurais fait comme ça, moi. Ok, et eh ben dans ce cas, on fait comme ça. Attention, il y a un trou dessous. Il y a un gros trou, faut pas tomber. Si tu me pousses, Mayu, je te boude pendant au moins... Ah oui, c'est un gros trou. Au moins 24 heures. Et 24 heures, c'est beaucoup voilà, dans une vie, Mayu. Oui. Bah ouais, c'est oh, ça passe vite, hein.
Ah bah c'est beaucoup hein. Ça passe au moins une journée, LL. Ouf. Je l'ai pas vu passer ma journée moi hier hein. Ouais, au-dessus du cul. Au-dessus, allez au-dessus. Faut pas taper. Oh c'est terrible. Mais ce jeu. Est-ce qu'ils passeront les bateaux? On a qu'à essayer. De tester sur un ensemble, c'est pas faux. On va juste faire des tests. Allez. Faut un de large pour un bateau. Ouais, non, ça passe. Bah, je crois qu'il faut un de large. Je sais pas s'il faut plus d'un de large. Si c'est que un de large, c'est bon. Bah écoute, c'est le moment d'essayer. C'est le bateau de votre vie. Ah, oh, c'est bizarrement fait ça. Ça. Les blocs de stone ici, c'est bizarre. Bon, c'est pas on avait pas un bonhomme de neige par là, là si, il est derrière là. Je l'ai planqué. Il est juste ici. Ah, parfait. 2 de large, qui dit mieux, qui dit mieux. J'ai enlevé la glace comme un cochon, du coup il y a un gros trou. Je vais remettre des bugs de neige. Non, j'ai mal dormi après mon live. Ah ouais? Oui. Bah oui, si je me suis réveillé à 7h du matin, c'est que j'ai pas très bien dormi, hein. Ah, tu t'es réveillé à 7h du matin. C'est pas beaucoup, ça. Eh oui. C'est pas beaucoup. Ah, en effet, ça passe pas. Eh ben, ça sera à... un niveau. Du coup, 37 de large, ça fait beaucoup. Ouais, il faut deux, ouais. 37, deux ou alors avec des panneaux. Des enfin, vitres. Des panneaux. Ouais, des vitres. Oh, on peut faire un monorail. Moi je. Oh, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester un truc. 1 million. C'est beaucoup 1 million. Ah oui, gare aux trous. Ah bah oui. Les gens ils me connaissent bien. Hein. T'es parti faire de la glace, Emel ? Je suis parti faire la map, moi. Ah. Pour pouvoir avoir un océan de glace. Mais ça se trouve, j'ai pris le mauvais coin de la map. Eltra, non, on en a pas tant qu'on n'a pas fait le dragon. Quelle andouille ? J'étais en train de chercher mes fusées pour décoller, justement. Ah, les réflexes. Et non. Moi, par contre, j'ai le vieux réflexe tout pourri quand je me lance sur une map. De faire un double jump pour fly. Ah. Marche pas. Non, j'ai eu une idée pour faire un design. Ah, il y a un gros zizi là-bas, je peux le couper, ça va faire oui, vas-y, on coupe les pénis. Squeak, squeak, Mayu, squeak, squeak. Il est très haut et très fin celui-là. Vous m'avez retourné un petit peu l'estomac là. Hein. Coupez les pénis. Bah, j'ai pas l'habitude de couper des pénis, moi c'est plutôt des testicules. Ah bah écoute, il y a un début à tout, Mayu. Bah ouais, ça change. Ah, quelle horreur. Je me sens pas non, très bien. Ah bon. Comment on fait en tant que deux femmes dire « Ah, on va couper les pénis, on va couper les testicules !» Tu... ok. Non. C'est de la glace. C'est pas vraiment coupé, mais alors... Oui... Attends, oh, t'empêches le point A d'arriver au point B, c'est tout. Et... Oui. Des... Ça va bien se passer. Tu crois? J'en suis certain. Si il faut, ça va très mal se passer, ça t'en sert à rien. Non, ça se passera bien. Alors, il y a quelqu'un qui demande s'il a le droit de garder son pénis. En fait, s'il est coupé, tu peux le garder. Hein. Non, mais t'as pas le choix en fait. Si t'as pas rempli le doc, en fait, bah voilà, c'est YOLO. Hein. Bah, en fait, surtout, une fois qu'il est coupé, l'avantage, c'est que tu le ranges plus facilement. Tu vois. Tu peux le mettre genre dans un Tupperware et le mettre au réfrigérateur. Aussi connu sous le nom de frigogidaire. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Monsieur. Pourquoi une carte d'ailleurs? Parce que j'ai pas de map, donc je m'en fais une.
pour me repérer, savoir où je vais. Il va faire nuit. J'ai un lit sur moi s'il faut. Hein. Ah. Bah ça donne pas mal de glace ces lits là. Moi j'ai fait 3 stacks. Mais tu après le problème c'est que même autres. Même si t'as 3 stacks, bah tu divises quoi. Non, je mets pas de minimap parce que mettre une minimap. Un inventaire. À mon sens, c'est plus jouer en vanilla. On est sur un serveur vanilla. On est sur une expérience vanilla. Donc, bah faut jouer en vanilla. Et jouer en vanilla, c'est pas mettre de map. C'est pas mettre de mode bien, qui te permet de voir où les mobs spawn. C'est un petit peu long. Etc. Non, non, etc. Mon bateau, il passe dans le portail. Bon, bah c'est bon, ça passe. Parce que pour moi, ça c'est modé. Même Optifine de base c'est modé, mais je me le permets Optifine parce que ça optimise juste le jeu. Donc ça passe encore. Et puis c'est pour éviter d'avoir les remarques. Ouais mais Optifine ça fait rien comme changement. Une minimap, le problème c'est que comme je disais, ça te change l'expérience vanilla puisque bah du coup une carte t'en fais pas. Parce que si les roues du truc passent, tu fais pas de carte si t'as une minimap. T'es jamais perdu si t'as une minimap vu que tu te fais tes waypoints et tu sais exactement où aller. C'est dommage. C'est dommage. Donc voilà. Test des designs de rails. J'utilise que Optifine, ça sert à rien d'installer lithium ou sodium ou tous ces autres conneries. Parce que j'en ai aucun intérêt. Le jeu est déjà bien optimisé avec Optifine. Il n'y a pas besoin de mettre plus. J'ai déjà répondu à ce genre de questions en commentaire YouTube. On m'a dit ouais, mais si, mais ça, c'est mieux qu'Optifine. Bah en fait, t'as pas besoin de plus. Hein. T'as pas besoin de plus. Optifine, il est très bien à lui-même. Hein. Pour ce qui est du vanilla. Donc voilà pourquoi je n'ai pas de minimap. Comme tout le monde. Dans mon favo, rien que les vins, des fois, les vins, ils oublient que je suis un peu stupide. C'est bête, hein. Non, c'est pas stupide. Comme les temps, il me parle et il se comprend pas. Voilà. Ah, c'est remonté, hein. Voilà. Donc ça c'est chez Zanzag. Mais non mais il est trop bête. Qui ? Moi ? D'accord. Je suis sur le flanc d'une falaise, il y avait un lapin. Je suis passé à côté, il s'est suicidé. Tu lui as fait peur, il a dit non pas Mayuko, mais coucougnette. Et puis mais il est tombé. Il a préféré mourir. Oh bah moi je préférerais mourir hein, aussi hein. Je pense que ta vie vaut un peu plus que des coucougnettes, monsieur MLL de Jajaj. Pas si tu veux devenir parent. Ah oui, y'a bah ça. Oui, mais du coup c'est pas ta vie, c'est celle de quelqu'un d'autre, ça va. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat ? Certes, je sais pas. Tu veux pas nous parler, Wotan, semble-t-il que non ? Waouh, l'ambiance dans les autres. Merci Alban pour avoir acheté un t-shirt. Tu peux congeler au pire. Ah ouais, oui, c'est parce qu'il a pas mis le mode blabla. Ah c'est oui. Pour ça. Je vais pas congeler. Bah les congélateurs ça sert à quoi ? À congeler. Bah voilà. Faut congeler, c'est bon. C'est non. Ah bah avec tout ce que j'avais, j'ai même pas 2 stacks. C'est bien la Blue Ice hein. Nul. Oh. Mayu, j'ai besoin de toi, je sais pas faire des rails. Ah, oh, mais c'est trop bien. Quoi? Bah, c'est bien comme ça. Mais je sais pas. Quoi, ça fait des rails selon toi. Bah, moi, j'ai oui. peur. Je... Oh, j'ai une idée. Hein attends. C'est quoi? Attends. C'est attends. Là que j'ai peur. Quoi? Bah non, mais c'est bien là. T'as peur? T'as peur de mes idées? Oui. Je ah bah justement j'ai des trappes d'or. Alors ah. Est-ce que le bateau il passe? Alors les gars des autres factions, je peux vous dévoiler un truc insane pour 5 diamants. Non merci. Attends, on va aller dans le sens qu'on... Dans l'autre sens, tu me payes combien pour
qu'on t'écoute. Tu nous payes combien pour qu'on t'écoute ? Voilà. Ah, on peut faire un slash team MSG pour parler juste à notre faction. Vas-y, on essaye. Slash Team MSG. Oh, dingue. Trop bien. J'ai du prout, Mayu dit pouette. C'est bon, on se comprend. Je vais essayer de faire des ventes. Oh. Tu vas vanter quoi? Voilà. Oh. Oh. Mais là, on va se mais couper la gorge là. C'est pas grave. C'est un risque à prendre. Tu tues ou pas? Mais ça passe. Regarde Mayu. Oui, mais bon. On peut rendre les rails, on peut RP, bon peut-être pas avec. Des aides à chaque passage. Mais c'est pas grave. C'est Jeanne pour le 15e mois d'abonnement. Ah mais non, tu y en a qui vont faire ça quand ils vont passer. C'est pas grave. T'as rien vu. Tu remettras 600 mètres de longueur de trappe. Oui. Mais je pense qu'on va peut-être pas mettre ces trappes là. Mais celle en dark truc. Mais ça fait rail ça. C'est pas de l'eau. Je sais pas, Mayu. C'est je sais même aussi. Plus à quoi ça ressemble des rails. En trappe de fer, comme ça. Oui, pas de lumière là. Pas de lumière, oui. Parce que des rails, t'as des gros trucs dans ce sens-là et des petits dans ce sens. Rail. Et ceux-là, normalement, ils sont en dessous. Ouais, ils sont censés être en dessous. Donc, pour EHL, oui. Oh. C'est pas con, attends. Est-ce que tu mets pas des carpettes marron sur la laine là? Bah non, laine, ça bloque le bateau. Ouais. C'est tout en dessous en fait. Par moment, en fait, ce que tu devrais faire, c'est ça. Comme ça. Ouais. C'est ce que je pensais. Attends. Tu vois, trouver. Tu vois, les traits sont en dessous. Ouais. Mais là, ça mettre va bloquer. Un sur le côté. Comme ça. Comme ça. C'est comme ça. Ça, tu peux voir si ça ralentit la trappe d'or sur le truc. Ah, elle avance plus. Il y a une table de craft ici. Il y a quelqu'un qui est passé par là qui n'a pas retiré la table de craft dans la pampa. Je vais l'enlever. Ça passe pas. Mais ça fait quoi si tu mets un bloc ça passe pas. Non. Mais c'est pas grave, c'est bien comme ça. Hop. Ça passe. Merci Laurie pour avoir acheté un t-shirt blanc. Moi j'ai posé mais également un tapis de souris. Acheter des t-shirts. Oh, j'ai des rollback. Ah ouais. Bah faut arrêter d'explorer là, monsieur MLA. Mais là j'explore pas, c'est déjà exploré. C'est qui fait bugger ou... Bah non, je viens de tomber sur un table de craft là. Il y a déjà quelqu'un qui est passé par là, j'explore pas. On me dit dans l'oreillette que la plaque de pression ne fait pas... n'arrête pas. Mais oui, des plaques de pression et en plus ça évite le spawn et ça fait tiki tiki tiki. Oh non, des boutons c'est bien. Mais oui, non. Mais on aura les bruitages. Mais il y en aura que tous les deux ou tous les trois. Ouais, que tous les trois blocs et ça fera tac tac. Et le reste on met des cailloux. Ah, là par contre d'accord. Ça fera tac tac. Oui, là je valide. Comme dans les trains. Ça fait tac tac. Désolé, alors. Petit nounours, ton papa est mort. Pas que dans les trains que ça fait tac à tac, hein. Ça fait tac à tac où ça? La tête à tutu. Ah. Mayu, elle a dit que j'étais un peu tac à tac. Un peu? Oh là, t'es gentille, hein. Ah, j'ai pas dit un peu ou beaucoup, j'ai juste dit tac. Elle
Ah bah super hein. Mayu elle est pas gentille avec toi. Je le sais parce que elle me l'a dit. Ah bah j'espère bien. Voilà. Ouais, y'a plein de zones d'ombre, je sais pas c'est quoi. Là je cherche rien du tout, je veux juste faire la minimap. Je cherche fortune. T'es... Encore un exemple, vous voyez, de pourquoi okay. Je prends pas la minimap et que ça casse l'expérience vanilla, la minimap. C'est les forteresses du Nether. Pas les forteresses du... Bah si, les forteresses du Nether. Mais également les bastions... Pas les bastions, mais les... Les cités de l'End. Les cités de l'End, vous pouvez en trouver très facilement avec les modes de minimap. Alors que de base, vous n'êtes pas censé les trouver si facilement. Faut aller les chercher. Ou alors avec un très grand render distance. Ah bon. Moi, je veux du Dark Oak. C'est mon choix. Je veux avoir une expérience vanilla. Parce que l'expérience modée, je l'ai déjà. J'en ai pas besoin d'autre. Le portail faction. Oui, je sais pas ce qu'il raconte. Bon, je sais pas non plus. Qu'est-ce qu'il a, monsieur les pierres? Il est fatigué. Ouais. Oh là 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 là, mais c'est rollback, ça commence à bien faire. Oh, les rollback, hein. J'arrive pas à ramasser ma glace. C'est quoi votre glace préférée? Ma glace préférée? Choco. Oh, Mayuko! T'es génial! Oui? J'ai oublié que j'avais acheté plein de glace dans mon congélateur. Oh, ah, j'ai des glaces. J'ai des glaces au caramel, j'ai des glaces à la vanille, j'ai des glaces à la fraise. Je viens tout de suite. Ah oui! Ah là là, j'avais oublié ça. C'est plus des yaourts nature. C'est des magnums en plus. Oh là là. Ah, des magnums. Vanille, chocolat au lait avec de la menthe, c'est trop bon. Ah, moi, ce que j'aime, c'est menthe. Menthe, choco, menthe. Oh, je vais mourir. Je vais mourir. Ah, arrive. Sinon, moi, j'aime bien les glaces caramel beurre salé avec les des petits carrés de caramel dedans des là. Petits carrés de... Oh là là. Ouais. Non, ah. les Ah oui, les fudge aussi là. Ouh. C'est ça, c'est ce que je cherchais, fudge. Si bon. Aïe aïe aïe, Agendas là. Oh là 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 là. Non, arrête, moi j'ai des yaourts nature dans le frigo. Vous allez faire les courses. Enfin, j'ai plein de trucs, j'ai acheté plein de trucs, mais c'est pour Noël. J'ai des j'avais bûches et tout. Complètement oublié mes glaces dans le congèle. Oh la j'ai vache. Pas, j'ai pas mangé une bûche. Trop bien. Ah, t'as refait ma soirée, hein. Bah, j'ai paniqué. Comment ça? J'ai paniqué. Ma demande à 05. Oh là 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 là. Ah bah, j'ai pas osé. Et elle l'a dit. Ah bah génial. Hein. Hop là. Bon, en même temps, à force de faire dormir Zanzac sur le canapé. Voilà. Qui ronfle, non? Qui c'est qui ronfle? Zanzac, c'est pour ça qu'il dort sur le canapé? Mais tout le monde dort sur le canapé. C'est ça le, c'est ça le principe en fait. Ah d'accord. Parce que c'est comme on est dans un tout petit appart, le c'est, ah, oui, c'est un canapé lié à la con là. Un canapé lié, ouais. Un clic-clac. Techniquement, quand je lui dis qu'il dort sur le canapé, ah, ben, en fait, il dort juste dans le lit normal. Oh. D'accord. Oh, mais tu m'emmerdes le squelette là, il va encore me tuer, eh. Tu le avant. Oh. Bah oui, mais il est plus intelligent que moi, c'est ça le problème. Pourtant, il a la tête vide, hein. Ouais, moi, j'aime bien boire du jus d'orange âpre, de la glace à la menthe, accent circonflexe, accent circonflexe. Bah, c'est pour les zombies de pas t'entendre. Squelette. Non, 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 je vais encore mourir. Oh là 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 là. Mais tu. Mais oui, mais je suis à poil dans les heures et j'ai pas d'armes. Mais prends un bouclier. Non. Et une hache en bois. Bon, je vais mettre mon armure en nésorite. Non, en plus, t'as une armure en nésorite. C'est vrai que vu comment le paquet d'ice il est fait ici, je peux pas leur donner tort quand elles disent que c'est des pénis. Hein.
Bah c'est des pénis, c'est tout. Voilà. Allez, ah c'est oui, reparti. C'est tout droit, puis au bout t'as un petit... Ouais. Un petit truc. On peut pas leur donner tort. Un petit truc. Ouais. Ha! Du premier coup. Ah. Deuxième. Même pas il y en a trois. Je suis jamais morte. Pas morte. C'est mort. La première fois que c'est une antenne. Quelque chose avec une flèche quand même. C'est vrai. Bah oui. Ah du coup j'ai eu la chine. Oh. Putain sauna. Ah bah super. Je sais pas si la. Merci sur de bonnes pour le bits. Salut ML, as-tu bien dormi? Non. Je mal dormi. Si ça ralentit. Qu'est-ce qu'il dit? Ça ralentit. De quoi donc? Ça ralentit. De quoi qui ralentit? Médal. Ça ralentit. Hein? Ça ralentit. De quoi? Ah, médal. Le métal? Non, ça accélère. Ça fait boum boum. Oh, j'ai hâte qu'on fasse des abeilles pour avoir des bougies. Oh ah. Oui. J'ai jamais fait des abeilles. J'ai jamais fait des bougies. Oh, j'ai un silk touch, ça veut dire que je peux casser les vues. Waouh. J'ai pris une table de craft, hein, je la craft direct la Blue Ice, comme ça je reviendrai qu'avec pas mal de stacks. Nice. Ah, le biome neige il prend une grosse part, il prend une grosse place. Oui. Oh, voilà. Ouais. Position. Ah, le pauvre Rohan. Il y a un truc. Oh! Je reviens. Pause pipi. Ah oui, moi aussi. Ouais, pause pipi à deux. Oui. Ah bah voilà. Je tiens la porte, tu. Ok, après je te tiendrai la porte aussi. Incroyable. Incroyable. Oh, lac de lave. Mais voilà. Oh, ces grosses entrées là. Pouf. C'est long de faire une grande map, hein, dézoomer à fond. Hein. Mais bon, on sera bien après. On sera bien. Surtout que, d'ailleurs, j'y pense. Ah, il n'y a pas le craft du lodestone ici. Ils l'ont modifié le craft du lodestone sur Holycube parce que utiliser une netherite pour faire un lodestone, c'est non. Je sais plus ce qu'ils ont utilisé comme craft pour faire le lodestone. Mais je pense que quand on commencera à mettre les bannières pour avoir des waypoints sur la minimap, on mettra la bannière sur un lodestone. Et on cliquera avec la boussole, comme ça on aura directement la boussole pour aller dans tel ou tel biome. Sur votre question, tu dois faire un carré de 3x3 de full map pour avoir un lodestone. Ah oui, il faut faire un clic droit avec une boussole, ouais. Je sais pas ce que j'ai dit, mais je le pensais. C'était une boussole sur le lodestone. C'est ce que j'avais utilisé sur MLG's Aventure 3. Les lodestones pour aller à un point A et à un point B. Faut qu'on regarde. Pourquoi je continue à tuer les mobs? Je ne sais pas. Ah, pour un succès? Ah non, il n'y a pas ça ici. Encore un village. Bah, c'est celui qu'on a croisé tout à l'heure. On est en hauteur, c'est dangereux. Je suis de retour. Re. Du coup, t'es allé te chercher une glace, Emel? Ah non, non, après le stream. Je mange jamais en stream. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit. Ah, on va devoir monter ça. Du coup, j'ai envie de manger une glace.
Ah, fallait pas parler de glace, hein. J'ai du glace, hein. Oh, c'est pas terrible, hein. Non. Non, quand t'as vraiment envie d'une glace, puis que t'as des yaourts aux fruits, tu mets une cuillère dedans, puis tu le mets au congélateur. C'est vrai. Mais il y a des yaourts qui font ça où tu plantes un bâton dedans. Ouais. Ah oui. Mais t'es pas obligé de planter un bâton avec une cuillère, ça suffit, hein. Oui, moi je fais ça l'été quand j'ai plus de glace. Je mets dans les yaourts aux fruits. Ça marche aussi. Des yaourts nature congelés. Bah, les yaourts. Qu'est-ce que c'est ces glaces là? Qui sont super bonnes avec des yaourts. Genre les yaourts bulgares, c'est super bon. Mmh. Oui, je me suis lavé les mains après être allé aux toilettes. J'ai craché dessus et je les ai léchés, t'inquiète. Nice. C'est comme ça que ça marche. Hein. Je suis pas sûr. Bah, si. Et grâce à ça, je n'ai toujours pas eu le Covid, tu vois. Donc, c'est que ça marche. C'est vrai. C'est nickel. Ah, impeccable. On me dit que c'est nickel comme méthode. Bon, si c'est nickel. Ah bah oui. Bon, allez, je range l'armure. Meurs pas, petit lapin, meurs pas. Voilà, c'est bon, t'es mort. Moi, je range l'armure en aisurine parce qu'elle tient chaud. Ils ont peur aussi de toi. Ah, ils ont toujours peur. Ils sont un peu cons, ces lapins. Ah oh ouais. Non. Viens là, c'était viens où là, viens tu viens tues qu'on devait attraper des lapins? J'ai la tête. Dans la cité du swag. Ah oh, c'est horrible. Ah parce qu'il faut pas le boire le gel hydroalcoolique. Merde. Ah c'est pas un rince-bouche ça? Bah si. Moi je fais des shampoings avec en plus. Je le bois, je fais les shampoings, c'est pas mal hein. Je cuisine avec aussi. C'est des gougouttes pour les yeux aussi hein. Ah bah oui. Surtout pour les yeux ouais. La partie génitale aussi, il paraît que ça rafraîchit. Ça fait l'effet cold. Ne faites pas ça. Ce n'est pas une bonne idée. Faut pas écouter les streamers, faut pas écouter ce qui se passe sur internet. Au début du Covid, qu'est-ce que j'en ai eu des trucs à la CNIC. Les gens peuvent brûler les pattes de leur chien à la Javel. Quoi? Ouais, oui, oui. Mais il y a plein d'urgences de gens qui désinfectaient les pattes de leur chien au gel hydroalcoolique, à la Javel ou plein de trucs comme ça. Non mais franchement, mais moi j'arrive pas à comprendre. J'arrive vraiment pas à comprendre comment l'être humain peut-il être aussi con. Bah écoute, j'en ai eu mais beaucoup. Mais c'est incroyable, mais c'est... Moi ça me rend fou d'entendre ça. C'est trop triste. Oh, vas-y tout d'abord. Oh, il y a le chien. Ah, ces gens-là, c'est les mêmes qui allaient acheter 50 euros de PQ ou un, dans les. Voilà. Ah oui, bah ils ont encore leur stock là. Hein. Bah, l'avantage, c'est qu'ils en ont pour au moins 6 ans. Oui, c'est sûr. Le désavantage, c'est que si un jour ils commencent à faire une allergie à cette marque-là, bah. Et bah, c'est chais. C'est ça. Dans leur gueule. C'est le toutou de mes parents, il a quoi, 5 mois. C'est un petit lévrier italien. Oh. Donc il est tout petit. Tout et prince. Ce con, il est tombé dans un trou plein de ronces tout à l'heure. Oh. Donc il a fallu aller le chercher. Parce que, bah, évidemment, le trou, il était 4 fois plus grand que le chien. Et le chien était au fond des ronces. Du coup. Nice. Le pauvre petit coucou. Ouais, il y a aussi des gens qui croient que la Terre est plate, tout à fait. Ouais, non, mais alors eux, c'est parce que c'est leur cerveau qui est plat. Hein. Ils voient pas bien. Ouais, ils ont un cerveau plat. Oui. Ou alors pas du tout de cerveau, ça marche aussi. Hein. Les cerveaux lents et les cerveaux plats, c'est pareil. Hein, quoi? Je sais pas, à partir du moment où tu prouves quelque chose scientifiquement, pourquoi dire le contraire? Oui. Ah, je sais pas. Parce que c'est un complot du gouvernement. Ils disent ça parce qu'ils veulent ta mort. J'ai plein de glace là, je reviens. Je suis un peu trop partie. C'est super loin. Ah. Mayu, elle part trop loin. Mm-mm. C'est où la maison? C'est bien les petites bottes en cuir quand même. Les gens me font penser au film Idiocratie quand j'entends. Ah, vous avez vu le film Idiocratie? Ouais. Ah ouais, bah on est dedans. Hein. On commence à y aller dans tranquillement là. Hein. Ça dépend. Je suis perdue. Ah, on n'y était pas loin hein, quand on a eu Monsieur Trump président. Hein.
Oh, je vois le beacon, merci, tu. Évidemment, évidemment, c'était le bon chemin. Non, ça passe pas. Merci, en vrai, c'est vrai, ça marche. Toujours là pour t'aider, Mayou. Super, ah ouais, j'ai mis une bannière sur le bouclier. Monsieur HL qui m'a envoyé. Quand même bien d'avoir la régène, hein. C'est ouais. Vrai. Allez. Le film est très bien, Idiocratie. Hein. Oh, il est qui, marrant. Pour quoi. Ceux qui veulent le voir. Il est marrant. Il est rigolo, oui. Ah, mais il fait un peu peur parce qu'il est pas totalement dans le faux. Bon, sur certains points, si, totalement, mais. Je sais pas si ça ralentit ou pas les fenêtres au milieu là. Mais c'est super ça, Tutu! Mais. Ah! Faut pas passer. Bah, de toute façon, si on peut pas passer. Ça. On se coince là. Où? Bah, le bateau, on peut traverser. Et genre faire. Bah, pourquoi tu mets pas les vitres et tu mets pas la dalle comme tout à l'heure en dessous? Parce que la dalle, ça ralentit. Ah. En fait, si on met un bloc plein à la même hauteur. Et pourquoi tu mets pas une dalle encore en dessous? C'est pas beau. Ah ouais? C'est moins beau. Bien. Ouais, c'est ok, tiers, allez, c'est bon. Ça va en vrai. Ok, tiers. Ça va. Merde. Je vais casser la. C'est pas mal ça. Allez, je vais mettre de la blue. C'est plutôt jeune cette musique, hein. Oui, tout je l'aime pas trop. Mais en fait, si on continue comme ça avec la blue, on y arrivera au bout dans 50 ans. Oui. Mais c'est pas forcément fait pour être efficace. Mais non, c'est fait pour pas montrer dans 50 qu'on est riche. Ans. Pas dans 50 ans. On va trouver une zone pour farmer de la glace, on va y aller à fond les ballons et puis c'est bon. Garde-moi mon couloir dans le Nether sur l'icube 5. Celui qui fait 1000 blocs sur 3 ah, de large. Il y a une super base. Ouais. Qui fait cote. Bah, c'est que de la blue ice. Hein. Oh, la vache. La vache, sa mère, la chaudière. Ah, oui, quand même. Je vais déjà faire un côté. Bah, à la limite, fais avec ce que t'as actuellement. Et ah, on fait le. On laisse juste les trous pour la glace. Et on peut déjà faire ce qu'il y a avec le bois. Ou alors on se partage les torches. Qu'est-ce qui est plus intéressant Oh, comment je suis allée trop loin. C'est quoi ça? C'est tiré avec un. Avec une arbalète. A réalisé le progrès, la vieille Bertha. Ouais, elle avait Bertha. Il lui fallait son petit coup là. C'est bon, elle l'a eu. Attention au trou, Mayou. Allez, je retourne chercher de la glace. Yay. En vrai, je devrais prendre un bateau pour venir. C'est pas faux. C'est presque comme si ça avait été designé pour ça. Ouais. C'est vrai. Bon, trouvons bien. Plus de glace. Je sens que je vais me planter à un moment donné. Une squad? Non, vous pouvez ouvrir les deux chaînes en même temps. Ouvrez-les en même temps et puis voilà. Et si vous êtes sur smartphone. Prenez un deuxième téléphone. Ben, voilà, vous achetez un deuxième téléphone. Voilà. Prenez alors celui de votre copine, de votre copain, de votre papa, votre maman. Ou alors votre de votre deuxième frère. Personnalité. De votre... Voilà. Ou alors vous allez en acheter un autre. Ouais. Si vous voulez voir trois streams, alors là, il va falloir être un peu riche. Hein. Ou ressortir les vieux smartphones. C'est vrai. Ceux que tu gardes dans un coin, ils marchent à moitié, mais c'est pas grave, ils marchent quand même. Ouh, j'ai senti le petit coup de la main. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2.
Yes, ouais. Non, mais j'ai peur des trous. Bon, Ran, il aime bien mourir ce soir. Oh, il a 4-3 morts, ça va. Non, je pense qu'il est juste plus habitué à pas être dans l'Inde. Ah, mais oui. Il est habitué à avoir un sol. Ça pique, les berries, ça pique. Ah, il se fait embêter par des buissons. Les buissons, ils sont méchants. Imagine, tu meurs et en fait, c'est à cause des berries et que c'est à cause des berries du coup que tu peux plus du tout revenir sur la saison. Ça fait quoi quand tu meurs à cause des berries? Aucune idée. Ça dit juste que t'es mort à cause des berries. Ouais. Voilà. Voilà. Y a pas de message approprié. Je sais pas. C'est les flyers. Mais j'ai pas envie de tester. J'avoue, c'est pas mal ça, les flyers. Oh, mais avec le mini-jeu de. On pourra tester, je pense. J'espère. Peut-être. Tester quoi? Ah oui. Ah oui. Sur les morts les plus longues. Et oui. Bon, quand il y aura ce genre de mini-jeu, je ferai une dérogation auprès de mon avocat pour pouvoir mourir sans pouvoir ne plus jouer. Bah, je ferai en sorte. Enfin, il peut y avoir une règle, genre être en groupe de 3. Tu sais, pour y réfléchir. Ou de se mettre par team Et dans la team, celle qui trouve le message le plus long gagne. Tu vois? Comme ça, dans la team, il n'y a qu'un seul qui doit mourir. C'est pas bête ça. J'aime bien l'idée. Bah oui. Bah oui. Il y a un portail là-bas. Je vais aller le récupérer. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent pas mourir. Hein. Niveau mort, ça donne ça. Est-ce qu'il y en a un qui peut faire dodo? Oui, j'allais le faire justement. C'est Mel. Comme je suis dans la pampa. Ouais, moi aussi. Je suis dans la pampa, oui, il fait chaud. Ouais, oui, il fait très froid. Ouais, il fait très très chaud. Il fait très chaud et très froid en même temps, c'est-à-dire que je suis dans l'enfer. Mais en même temps, il y a des blocs de glace devant moi. Ah non, j'ai cassé un bloc de glace, Mayu. Bravo. Oui, plutôt fier. C'est déjà pas long à farmer. Oui. Après, on peut en mettre un sur deux. Hein. Oh, mais c'est pas con, ça. Parce que s'il y a des endroits où il y a plus de glace, en fait, c'est pas embêtant. Pourquoi c'est pas embêtant? Bah non, c'est pas embêtant. Bah si. Bah non. Merci Laurent pour avoir acheté un t-shirt, une veste, je sais pas lire. Comme ça. Je veux la tête de poulpe. Vas-y, je vais faire les tests. Eh, franchement, avec les têtes de mobs, je suis tellement... Le cul bordé de nouilles. Ah ouais. Ah ouais. Deux poulpes tuées, une tête. Ah oui. Quand je mets des trucs bizarres dans mon cul... Bah, t'as mis des nouilles dedans. Et je vous permets pas de juger. Mais c'est toi qui l'a dit. De quel droit vous pouvez vous permettre de juger? Il est bordé. Bah ouais, mais s'il déborde, c'est qu'il en a trop mis. Putain. C'est l'expression. C'est toi qui l'a dit. Elle dégage la vache. Meurs. Ah, tu me parles pas comme ça. Ah, pardon. J'éviterai à l'avenir. Je suis pas si grosse d'abord. J'ai juste pris 15 kilos. Mais 15 kilos dans une vie, qu'est-ce que c'est? C'est rien, donc ça va. Non, c'est rien, c'est rien. Bah, ça se perd. Ça ouais. C'est ce qu'ils disent. Eh oui, bah oui. Ouais. Bah, du coup, je flotte pas. Je coule. Bon, moi, je flottais pas non plus. Bon.
tu bouges pas, tu flottes, hein. Faut remplir les poumons d'air et tu flottes. Si là je fais ça. On tient quelque chose là, Mayu. On tient quelque chose. Quelques pixels qui sont pas faits là-bas. Voilà. Je vais rentrer dans le trou. Ouf, alors ça, ça c'est beau ça. Oh, mais ça marche bien comme ça, hein. Trop cool. On a un début de design sympa, Mayu. Parfait. Ouais. Je vais mettre ça parce que c'est ce que j'ai sous la main. Et les murs, on les fait comment? Bah on fera des comme l'intérieur d'une grotte. Ok, mais genre en mode nether. Ouais, en mode nether, sauf que dans les murs, il y a des cristaux, tu vois. Non, Rachel. Ah, donc il faut de l'améthyste ou des trucs. Ouais, ouais. En vrai, de l'améthyste, ouais, c'est classe. Hein. Faire des... Et puis on peut faire des cristaux avec des trucs qui ne sont pas des cristaux. Hein, et genre on peut faire des fois où il y a des renfoncements avec des crevasses. Puis... Hmm, oh, il y a une biquette à côté de moi. Tu l'as? Bon, il veut me charger? Je sais pas. Si, si, il venait vers moi et... Ah bah voilà. Moi, je propose que l'intérieur de la mine qu'on est en train de faire, on la fait en deep slate, avec des minerais de deep slate. Ah bah ouais. Et je disais, du coup, parfois dans la paroi, on peut faire des renfoncements avec genre des... Bah le but, c'est de pas... Des wagons custom. C'est ça, le but, c'est de faire des gros wagons remplis de minerais qui attendent. Ouais, ouais. Ça va faire bien. Des dates en an des... Merci Gaëtan pour le 4e mois. Ouais, c'est une bonne idée ça. Deep slate. Oh non, la deep slate. C'est... Ça c'est pas mal. Ah, j'en ai marre de ces bruits de glace là. Un boucan. Tiens, tutu, Mayo, il y a Bazon qui demande si on a un chemin dans le Nether, je vous laisse y répondre. Non. Oui. Non, et tout aussi. C'est pas possible. Hein. Oui, il est aussi grand que ma barbe. Ah. Il est plus gros que la cheville gauche. Elle. Voilà. Faux. Quoi? T'as une si grosse cheville gauche? T'imagines même pas, je botte des culs moi. Hein. Ah ouais, il est baraqué, mêlé. Eh, dira pas. Hein. Il a des grosses chevilles. Dingue. Le peu blanc. Il est musqué, mêlé. Il est musqué des chevilles. Il est compact. Oui, c'est ça. C'est le gros couloir du portail. Il y a tellement de villages qui se génèrent. Il y a beaucoup de portails. Oh, qu'il est mignon le golem. Attends, il meurt sur un berry là. Non, le golem, il a spawné dans une maison. Il est en train de mourir gentiment là. On a beaucoup des villages. C'est sympa. Attends. Bon, ça me fait combien de stacks tout ça? 3 stacks et demi. Bon, on va le faire, ça sera là.
aussi. Cours pas, reviens. Reviens, petit chat. Reviens là. T'as trouvé un minou? C'est le chat d'Edo qui est mort. Reviens, 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 reviens. 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 Tiens. Fallait pas courir. Quoi? T'as tué le chat. En plus, je prends même pas son loot. Bon, super. Bah, il a pas droppé sa tête, hein, donc bah, je m'en fous. Bah, t'aurais pu le renommer Mew. T'aurais eu un Mew Mew. C'est vrai. Mais je m'occuperai des easter eggs après. Ok. Pas très gentil de tuer les chats. Ah, mais dans la vraie vie, je les tue pas, les chats. Bon, j'espère bien. Oui, quand même. Hein. Mieux vaut, oui. Enfin, mieux vaut pas, enfin. Moi, je les tue. Ah bah, super. Oh. Oui, bah, c'est pas pareil. Tu abrèges leur souffrance. Oui. Disons que tu fais pas ça avec plaisir en disant « Oh, qu'est-ce que je ferais bien aujourd'hui ?» Non. Ah bah super. Tu les tues et tu leur enlèves les coucougnettes. Pour remonter. Ah. Pourquoi les shops ne drop pas de string, une boule de poil? Parce que Mojang n'a pas voulu faire un loot en plus. Et pour autant, tu vois, ce qui est con, c'est que les chèvres dans Minecraft ont un loot sur la Bedrock Edition et ils l'ont pas mis sur la Java. Ah oui, là, il y avait rien du tout quand je l'ai tué. Ça, je comprends pas. Ouais, normalement, sur la Bedrock Edition, ils droppent leur corne. C'est bête. Mais sur la Java, ils l'ont pas mis. Je comprends pas. J'arrive, Tutu. Bah, c'est cool parce que je me pose des questions en termes de deux ingres. C'est quoi les packs de texture? J'en ai pas de packs de texture. Enfin, si, j'ai celui de mon J8, mais c'est moi qui l'ai fait. Personne peut l'avoir. Comme un grand. Et t'as celui qui fait bouger les feuilles aussi. Qu'il est doué, ce ML. Je suis doué en tout. Sauf en rien. La cuisine, bah oui. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment cuisiné. Tu es doué pour monter à cheval ? J'ai jamais essayé. J'ai monté un éléphant. Mais c'est tout. Ah, c'est pas bien. Pas de cheval, mais les éléphants, ça passe. Ah, les chevaux, non. Hein. J'étais tout petit, hein. C'était au cirque. Hein. Ah. On m'a même mis un serpent autour du cou. Ah ouais, carrément. Bah, tant mieux, maintenant il n'y a plus d'animaux sauvages dans les cirques. Ouais, tant mieux ça par contre. Ça c'est tant mieux. Attends, t'as mis un serpent autour du cou. Oui. What? Bon ça va. Mayu, qu'est-ce... attends avant de partir. Attends Mayu. Oui. Ne pars pas. T'en penses quoi? Je sais pas ce que ça rend. Ça veut tout dire. J'aime moins. Et comme ça. Ça change quelque chose ? Là, c'est plus haut. C'est moins bas. Ah oui. C'est plus moins bas. Ouais. Oui, ouais. Priscilla. Merci. J'aimais mieux tout à l'heure avec les blagues de pression. Tu préférais ? Ok. Oui. Après, c'est dommage, on aurait fait des économies de glace. Je vais me faire un... Ah, il a pris la fessée au talon. Oh, je vais me le faire, lui. Piglin, non. Oh oui, frappe-le. Oh, je l'ai eu en passant. Ah, c'est long de faire une map, quand même. Hein. Ça fait une heure que je suis dessus. Vache. Ah ben non, mais pourquoi je... je fais demi-tour. Bah, il est perdu. Hop, hop. Ça se fait que ça brûle ici. Ma, ça brûle parce que c'est l'effet de... Ah hein?
Coucou Bahar. Ah. Quoi, on a raté 22h22 et y a personne qui a dîné. Ah bah super. Ah bah c'est au moment où j'ai dit que c'était long de faire la map que j'ai vu 22h22. Parce qu'il faut te le dire quand c'est 22h22. Oui. Pourquoi? Normalement il faut spammer. Bah c'est le super nez à 22h22. Quoi? Bah oui. Est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait m'expliquer? Bah 22h22. Oui. 22h22. Ah attends, il faut que je fasse un choix entre parler comme ça. Oui, non, je peux parler comme ça, c'est bon. Vous m'entendez bien. Oh, ben, ok. Ça va, monsieur Bazazon. Waouh. Y'a quoi? Oh. T'as vu Bazon? Est-ce que t'as fait l'achievement de tout en haut à tout en bas? Bah ici tu peux. Il faut aller tout en haut et sauter tout en bas. Si tu veux, je t'accompagne. Comme ça, je saute en premier et si on meurt, bah, tu sautes pas. Enfin, si je meurs, tu sautes pas. Mayu, tu mets pas des blocs. Hein. Mayu, si tu mets des blocs, je te fais la gueule pendant au moins 8 minutes. 10 minutes, c'est Mayu. Long, Mayu. Mayu, ah bah elle nous entend pas, elle est... Ah bah non, c'est parce qu'elle vous entend, vous. Oui, elle nous parle en... Bah oui. En voice de Je me sens tellement exclue, c'est terrible. Ouais, pour ça, moi, je me suis pas mutée, je me suis dit quand même. Je préfère casser les oreilles de ML2G. Il y a ML2G, tu nous entends pas, il se sent exclu. Oui. Vas-y, waouh, j'adore trop ce qu'on voit là actuellement, hein. Bazon, c'est incroyable ce qui manque. Non, il joue pas, c'est grave. Ah, j'ai failli tomber, j'ai eu peur. Ah, on passe pas. Il faut aller tout droit. Non, tu vas pas mourir, bah. Non, tu vas pas mourir, bah. Not on my watch. Pas sur sa montre. Oui, pas sur ma montre. Oh, bah. Trop bien, il y a un village dans une grotte. 11h11, l'invasion des 1, 22h22, touche Vous ton nez, 33 sur 33, change ton horloge. Mais minus, Mayu, faut qu'on arrive tout en haut, là. Ah, j'ai pas mais non, on est en train de monter 200 blocs, là. Oh my god. C'est ça, là, il faut tomber. Ouais. J'y vais. J'ai un petit peu peur. J'espère que Mayu n'a pas mis de bloc. Ah, voilà. Ouais. Ah, le village dans la grotte, vite fait, quoi. Hein. Faut remonter. Il y a deux maisons. Non, il n'y a pas d'escalier bas parce que... ce truc, il est voué à disparaître. C'est juste pour que toute la team ait fait l'achievement, parce qu'après, on enlèvera. Oh, il y avait un homme. Bon, bah maintenant, faut remonter, hein. C'est bon. Ça revient deux secondes, je vais donner à manger au chat, il est en train de râler. Yes. Il y a tellement de zombies, j'ai peur. Je savais pas, Orbox. Ouais, j'ai eu si peur. Bah, il s'est barré, il m'a laissé avec tous les monstres. Je me suis faite manger. Là, il faut remonter, aller à gauche ou à droite.
J'adore t'aider. Ouais. Il veut mourir par tous les mobs du Nether. Comment ça, qui? Wotan? Ah ouais, effectivement. Merde, il est encore mort. C'est quoi la thématique? Ouais. Super, j'ai faim qui active les motonies. Il faut spammer maintenant. Un gros nain, trop bien. Oui, je suis d'accord. Oui, je dis oui. Ouais. Yes. Heureux. Alors, je sais plus quoi je fais. Tout va bien se passer. So oulai, this is fin, 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 so oulai, this is fin. Tu fais quoi, MLL de l'EGG? Super, j'ai faim. Je fais la map. Encore? Bah ouais, c'est long, hein. J'ai fait une map qui est dézoomée à fond, donc j'ai énormément de chemin à faire. Ouah la vache. Et j'en profite pour farmer quelques têtes. J'ai la tête de poulpe, la tête de renard, la tête de lapin, la tête de Venom. Mais du coup, t'avais pas dit que les têtes, elles étaient en 100% de drop? Renommé. Ah oui, d'accord. Les easter eggs, en tout cas, sont 100% drop. Ça, c'est cool. Ouais, vu comme je disais, vu qu'on utilise un name tag, faut prendre le temps de renommer le name tag, de renommer le mob. Ce 100%. C'est... Qu'est-ce que c'était? L'ancienne version, du coup, c'était pas comme ça? Sur certains mobs, non. Quoi? Oh, il y en a un autre ici. Incroyable. Je sais plus ce que je faisais. Je sais plus ce que je faisais. Ah, j'ai perdu. Je voulais me faire une hache. C'est bon. Alors, on va tout de suite voir si... Oh, on peut descendre. Nice. Ah bah, c'est déjà fait. Pas nice. Virons ça. Viens là, nounours. Drop-moi ta tête. Ça va bien se passer. Nope. Une piole, une hache. J'arrête pas d'oublier ce que je suis en train de faire, c'est terrible. C'est terminé les motolnies. Zou. Eh, vu que les motolnies, elle est terminée chez ML, c'est quoi votre jour de la semaine préféré dans le chat de ML? Ah, voilà. Question, réponse. Et c'est vraiment pas une incitation au spam. Hein. C'est vraiment pas mon genre. Et moi personnellement, c'est le samedi, tu vois. Pourquoi? Parce que après le samedi, il y a le dimanche. Tu vois, c'est le premier jour du week-end. C'est mal. Ouais, mais le samedi, il y a trop de monde dans les magasins. Oh, mais je sors pas. Ah, ça se vaut. Ça se vaut. Ça marche. Moi, j'aime bien le jeudi. Tu aimes le jeudi? Oui. Parce que pendant très longtemps, c'était mon jour de repos. Ah. Quand j'étais en boulangerie. Et puis c'était le soir où j'avais du catch à la télé. Oh, t'aimes bien le catch? J'adore ça. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. J'en ai fait même du catch. Ah ouais? Bah oui. C'est pour ça que je suis costaud, hein. Ah, c'est pour ça que t'as des chevilles, elles sont larges. Enflées. Ah mais non, ouais. Pourquoi il y a un... Ah d'accord, on est passé en émotone, il y a pas super, hein. Ah bah ça copie chez monsieur. Ah bah voilà, monsieur. Bravo le copitage, super, hein. Super, hein. Ah bah ça copie, hein. Bah génial, hein. Ce lag quand Mayuko a rejoint. Ah bon? Parce qu'elle prend de la place. Ah ouais, j'étais en train de taper un lapin gentiment, là. T'as join et le lapin, il a freeze dans les airs. Oh bah super.
Merci, tutu. C'est-à-dire que je prends de la place. Moi, je me suis dit, bah, dis donc, elle a pas capté. Bah, super. Ah, elle m'a tapé en plus. C'était qui? C'était moi. Oh, bah, c'est le karma, ça. Hein. Ça doit être ça. Ah, bah, voilà. Ça, c'est le karma. C'est clair. Et bing. Prends ça en passant. C'est ça. Prends-toi ça dans les dents. En plus, je savais même pas que c'était tes doigts. C'est pour ça que c'est le karma. Ouais. Ah, bah, génial. C'est quoi, normal que t'as enlevé des blocs à certains endroits, tutu. C'est du work in progress. Tu peux faire point d'exclamation datapack. Et tu auras le lien de mon datapack. Oh, qui c'est qui est là? Oh, c'est Jean-Zac. Mais qu'il est con, ce lapin. Oh, j'ai cru que t'allais dire qu'il est con, ce Jean-Zac. Eh, je rejabatiabatiabatiabat. Bah non, j'oserais pas. Bah j'espère, hein. Pourquoi je le penserais déjà? Bah non, tu peux pas, tu peux même pas y penser. Bah voilà. Donc c'est même pas une option. Il y a des choses qui ne se font pas. Ah mais on peut l'avoir ton datapack? Bah bien sûr, il est disponible. Il était dispo même avant qu'on fasse la saison d'Holycube. Oh dis donc, c'est parfait ça. Il y a un outpost pour les pillagers et un village juste à côté. Ça c'est nice. Je prends les coordonnées. Ah venez, on en fait un. Ah non. Imagine, Amel, il meurt. Ah oui, enfin, j'avoue, ce serait fin du stream, là. Ça serait fin du stream et fin de la saison pour lui. Non, Amel, il meurt. Ah, pas. Par contre, c'est une bonne idée, parce que si jamais on arrive à avoir des totems, bah, je pourrais jouer plus longtemps sans avoir peur de mourir. C'est pas faux. Mais du coup, je sais pas si c'est pas une bonne idée ou pas, parce que du coup, pour les avoir, il y a des risques de mourir. On fera quand on sera plus nombreux. Oh, tu sais que plus on prend une forteresse. Plus on est nombreux, plus c'est compliqué, je crois. Hein. Plus il y a de mobs, il me semble. Par contre, dans notre chemin, il y a plein de piglets. Il y a plein de pingelins. Si le stream. Ouais. Enfin, si tu meurs, le stream s'arrête. Oui, je suis en mode hardcore, moi. Faut pas que je meure. J'ai qu'une vie. Pour moi, c'est ça. Si je meurs, je meurs. C'est la vie. C'est pas cool. Non mais c'est comme ça. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. Après, on peut me revive contre des subs contre et des bits. Contre de l'argent. Voilà. Faut bien faire fonctionner le business. Hein. J'ai plus d'idée de business model. Ah bah, tu peux aussi jouer au jeu normalement. Ah bah si, faut jouer au jeu normalement. Alors je demande à ce que le serveur soit vanilla et pas avec un mod. Ah, y a quoi comme mod? Bah le serveur est modé, on n'a pas de serveur vanilla là. C'est pas faux. Puis on a le mode avec les micros. Mais c'est pas possible, c'est rollback là. Oh là là. Ouais, là c'est la folie hein. C'est qui explore? Bah je suis en train de faire la map, mais je ne pense pas explorer tant que ça ici hein. Mais meurt le lapin là, voilà. Yay, j'ai rejoint l'autre bout, tutu. Mais l'autre bout, il est pas en blue ice, alors je le casse. C'est le côté qu'avait commencé Miu. Je sais pas ce que je faisais. Oh, il pleut, il neige. Pas de tête, non. Bon, à quelques blocs près, on est de l'autre côté. Au moins sur un côté. Tu pourrais proposer des visites virtuelles sur tes maps, sur ton site. Que hein? Comment ça? Déjà mon site, ça fait longtemps que je l'ai pas touché. Hein. J'ai eu des problèmes dessus, ça m'a saoulé. Donc je l'ai mis de côté, et du coup je m'en sers plus.
Et pas de notion de nombre de joueurs dans la difficulté de raid. D'accord. Plus de sa prime de plus que j'aille en chercher. Eh ben on va aller. Je vais casser des arbres. Et après on va passer. Yes. J'ai trois abeilles là-dedans. Si tu meurs, tu joues plus. Ouais, c'est le principe du hardcore. S'il meurt, il meurt. Ouh, des orages. Tu meurs, tu meurs. Oui. Sauf si on te paye pour vivre. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un problème sur ce qu'on a fait, Tutu. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, on est trop lent là. Comment ça se fait que je suis si lente? Parce que tu roules un peu sur ça. Ah oui, ok. Faudra vraiment qu'on soit collé sur le moteur. Non, parce que tu, quand t'arrives là-bas, du coup, t'as les murs. Ouais. Et t'es à moitié dans le vide, donc ça passe. Oui, oui, oui. Bon, okay. C'est juste tant que t'as le. Tant que sinon, sinon. Avec des photos 360 que tu prends avec le replay mode, ou tu peux créer des visites comme sur Google Maps. Bah, si tu veux le faire, tu peux. Hein. Moi, je le ferai pas parce que c'est trop long à faire. Petit rollback. Belle, il charge des zones. Il y a Bazon aussi qui charge des zones. Il veut du. Comment s'appelle? Du corail. Ah ouais, donc il va loin. Ouais, mais il est pas très loin de notre base. Mais je crois qu'on n'y est pas allé. C'est terrible cet orage. Hein. C'est bon, il n'y a plus d'orage. Salut Picoftalmic sur le chat. Tu vas bien Picoftalmic sur le chat. Sur une échelle de 1 à 100% fini, t'en es où de ta carte ML de Gilège? Il va me rester à peu près entre 7, oh, je dirais 5%, allez, parce que le tour c'est long. Là il me reste le centre à faire, donc c'est bientôt fini. Pourquoi ça? Pour savoir, juste savoir combien long ça prend. Bah, je verrai une fois que j'aurai fini, mais je dirais un peu moins de 2 heures pour faire une map. À pied en tout cas. Ah la vache. Ouais, t'aurais eu des Elytras, ça serait. Elytras, ça fait 2 minutes, hein. J'ai eu ça. J'ai couru droit vers un trou. Faire attention quand on avance des trous. Bon, je vais le boucher en vrai. Oh. Mais il y a tellement d'outposts aussi. C'est le troisième que je trouve là. Ah, c'est peut-être le même que tout à l'heure, tu me diras. Oh. Non, j'ai pas vu le nouveau Spider-Man, non. Je ne vais pas au cinéma, donc. J'ai envie d'aller le voir. J'aimerais bien aussi aller le voir, mais tout seul ça me fait chier d'y aller. Alors j'y vais pas. Viens à Paris, on va aller au cinéma. Ça fait un peu loin l'aller-retour pour aller au cinéma. Bah écoutez. Tant pis. Tiens, voilà. Comme ça, dès que je passe dans un village, ça va être la foire. Ah bah bravo. Je peux enlever les pics devant chez nous ou pas? Je pense, ouais, au pire, si on en a besoin, on pourra les refaire. Hein. Oui. Autant aller chercher ceux qui sont plus loin, non? Bah, y en a déjà plus beaucoup. Ah.
Bah dans ce cas, il faut tout défoncer. Alors, je veux ça. Plus de dubslat. Non, Scaridi, je peux pas faire ça. Dans quelle guilde ? La guilde des voleurs. Quoique non, on n'est pas dans la guilde des voleurs. Il y a une guilde des voleurs ? J'en sais rien. Quoi ? J'ai raté un épisode ? Non, je suis dans la faction des cheminots. On fait des trains. Et on rigole. Oui. Et on est en retard. On est en retard. Tout le temps. Mais tu vas mourir, nounours. Ah bah voilà, la petite tête de nounours. Elle est là. Nounours comme celui qui jette du sable là. Avec, Le nounours polaire. Le nounours. Le nounours, c'est quoi de nuit les petits. Et il y a ça dans ma team. Il y a Zanzag, Mayuko et Tungsten connectés pour le moment. Ouais. Ouais. Dans ma team, des gens qui ont des superbes barbes, sauf Mayuko, elle a juste la peau soyeuse. Oui. C'est déjà pas mal. Et elle sent un petit peu la vanille. C'est vrai, je me suis fait un gommage tout à l'heure. J'ai une peau de bébé. Eh, ben est-ce que tu sens la vanille ? Non. Ben voilà. Non, mais ben voilà. Mais tu sens pas la vanille. Non. Voilà. Pas tout à voir, hein. Et du coup, c'est quoi, toi, Amel, ton goût de glace préféré? Mais je l'ai dit, caramel beurre salé. T'en avais dit plein, t'avais dit fudge et tout. Oui, je confirme, t'en avais dit plein. Ouais. Oui, c'est vrai. Préféré, c'est un seul. Un seul. Vanille. Ouais, je dirais pareil du coup, si je vais choisir vanille. Moi, c'est menthe choco. Mais c'est pas qu'un seul, c'est deux, ça. Mais si. Mais non. Le menthe avec caramel beurre salé, c'est pas que caramel, c'est du caramel, du beurre. Ouais, ça va, hein. Ça va, hein. Oh putain. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as failli mourir? Oui, et c'est mon bouclier qui m'a sauvé, il me reste un cœur et demi. Oh la vache. Qu'est-ce qui t'a fait? Bah, il y a un gripper qui était genre collé à moi. Oh. Il voulait un cala. Oh la vache, là t'as dû avoir des frissons, là t'as le cœur qui c'est fait. C'est ma bonne armure en netherite qui m'a sauvé et mon bouclier. Ah la vache. Reviens lapin, reviens. Donne-moi ta tête. Maman, il m'a aidé à creuser la glace. Tout va bien. Là pour ça y est, je suis full vie. Maintenant, je. Ah bah non, bah je vais pas le défoncer puisqu'il a explosé les morts. Bon, je vais avoir fini ma map, je vais pouvoir revenir reprendre un peu de vie puisque j'ai perdu un peu de vie. Bonsoir, Lucie. Ma pioche, elle est capoute. Tu meurs pas. Je ne vais pas mourir. Je suis increvable. J'ai eu peur, moi aussi, je vais pas mourir. Vous mourrez pas. Hein. Pas mourir. Hein. Oh. Pratique ce petit bouclier quand même. Oh les frites. Alors, la map là, allez les pixels là. Tu te réveilles là? Eh ben. Arrête bon, de sauter. J'ai eu chaud. Elle a eu chaud aux fesses. Regarde ce qui est arrivé à Wotan. C'est presque ce qui a failli t'arriver. Wotan, il avait pas de bouclier. Wotan, il fait pas attention. C'est quoi les coordonnées de la base des cheminots? Pourquoi tu veux savoir les coordonnées de la base des cheminots? C'est 000. Non? C'est à 0, il faut faire un pic de 42. 50 euros pour savoir. Ouais, et à tous les membres de la base. Oh putain, ça fait cher, hein. Ah bah écoutez. Ah bah s'il veut savoir. C'est le prix de la connaissance, monsieur. Bah ce sera le prix d'une vie aussi chez moi, 50 euros.
Faut que je reprenne des steaks. Bon, je vais reposer un stack de glace. Je rentre avec la map. Quelle heure il est là? 22h50. Déco dans 10 minutes, je me lève à 6h30. Ah oui. En effet. La Bretagne, il est en train de battre tous les records là, non? Lui, il a combien de morts autant? Attends, 6 morts? Mais attends, il se les a fait ce soir, ces 6 morts là, non? Bah ouais. Bah je crois. Oh la vache. Le nul. Non, je rigole. Oh. Pas très gentil ça, hein? Les du second degré. Oh, je sais. Moi j'aime mes maps avec des courbes XD. Ah bah j'espère bien m'a joué quand même, hein. Pour 30 euros versement purple, je dis. Puisque je sais où se trouve la Netherite. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que Basilic sait où se trouve la Netherite. Pourquoi ? Ça va aller, merci. Basilic, il sait tout sur la map sur laquelle on joue. Est-ce que vous aimez le Basilic ? Oui. Oui. On est dans le jardin, moi. J'aimerais bien avoir un jardin, moi. Moi aussi. J'ai un beau potager, moi. Bon, il n'y a plus grand chose dedans, avec des poireaux et des herbes aromatiques. J'ai un beau potager. Ah ouais, ça pique un peu les fesses la porte à Paris là. Bon, déjà là, j'aimerais bien avoir une pièce autre que la pièce. Genre une chambre. Ouais, Paris hein, c'est pas les mêmes prix. Hein. Ouais, c'est pas les mêmes prix. Tu l'as dit Bouffy. C'est une mauvaise étape à passer. Ouais. Tu verras, moi j'ai vécu quelques années dans un 13 mètres carrés. Et pas tout seul. Oh, et pas tout seul, la vache. À 450 balles le loyer. Ouais, ben nous, on est à plus de 1000 balles le loyer. On a 30 mètres carrés. Hein. Ah, ouais, mais vous êtes à Paris même. J'étais en région parisienne. Ouais, moi. Ouais, Paris même, c'est Paris. Pire les prix, quoi. Oh, la vache. Ouais, mais le truc, c'est que pour le boulot, je suis obligée. Parce que comme en je dois plus. Me déplacer un peu en étoile autour de moi. Ah ouais, c'est pratique, ouais. Je suis vraiment... Maman, on a 1,5 hectare, j'ai 190 mètres carrés de maison. Oh là là, je paye pas de loyer. Et je paye juste les charges. Pas grand chose. Tu payes pas de loyer? Non, non, c'est la maison de mes parents. Ah, oh. Ils ont divorcé et avec mon frangin, on a gardé la maison. Mmh. Ah, tu vis avec ton frangin du coup ou... Oui, mais il est jamais là. Donc, c'est la maison pour. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais je cherche une maison avec mon chéri. Attendez. Bah c'est mieux. Ouais. Tu peux pas racheter la moitié de ton frère? Non, je veux pas la racheter. Je vais repartir de zéro. Je sais pas si on la revendra, on verra. Alors. Bon, avec la Blue Ice, on a atteint l'autre côté. Oh, pas mal. Pas mal, pas bon, mal. Bon, que sur une ligne. Merci Étienne pour avoir acheté un mug. Et merci Vidéo pour votre raid. Merci très cher. Et ouais, je sais pas comment tu fais, tu pour vivre à Paris en appart quoi. Ouais, pas le choix. J'ai besoin d'un job. Le boulot, ouais. C'est pas vraiment un choix. Ouais. C'est pareil, hein, si je devais rester dans mon choix de métier au début, j'aurais été obligé de rester à Paris. En tout cas, c'est à chaque fois que je devais trouver un taf, c'était Paris. Je fais bah non. Moi je tue tous les animaux pour avoir leur tête. J'aime trop la campagne. C'est trop bien la campagne. Mais une fois que j'ai tué tous les animaux pour avoir leur tête, j'ai plus besoin de les tuer puisque j'aurai leur tête. J'ai bien envie d'aller voir Jimmy comment il a avancé son four, puis après je déco. Bon, je vais pas tarder là. Tu viens avec moi, tu tues ? Pour aller voir jamais ? Ouais. Ok. T'es où ? T'es dehors ou t'es dans le tunnel ? Là ! Oh oh ! Ah bah super ! Tu. Ah, la petite régène qui fait du bien là. Pouet. C'est bon, je suis dedans. Oh merde, non. Oh non. Aïe. Vas-y, Mayou, tue-le. Oups. Il y a trop de lag.
J'ai oublié un truc. Mais non, mais on va pas pouvoir y aller en bas. J'ai fait une bêtise. Ah, t'as fait quoi? J'ai lancé un raid à la base. Mais non. Pardon. Il faut qu'on vienne du coup. T'as besoin d'aide? Bah, on va venir, hein. Oh non, mais non, mais moi je veux pas décéder. Oh non, bah, ça veut dire que c'est moi qui vais décéder. Bah, on le laisse se débrouiller, viens, tutu. Eh, c'est pas gentil ça, Mayou, hein. Non, mais moi, je veux aider pas Amel. Moi je veux pas. Eh ben tu aides pas, moi j'aide et je meurs, c'est pas grave. Je mourrai avec. Je sais pas. En plus, il y a du lag, on va galérer. Hein. Mais ils sont pas à l'intérieur, ils sont dehors, non? Ils sont devant la porte d'entrée. Ah, ils peuvent rentrer. Oh merde. Ah. Ah, mais non. Ah, mais non, mais c'est vrai, en plus, il y a un raid. Bah oui! Pourquoi j'aurais menti? Mais non! Faut juste protéger les PNJ, voilà, on va faire ça. Par ils sont contre, où les PNJ? Ils sont derrière, ils sont protégés, ils peuvent pas passer. Ah. Quoique si, ils peuvent passer là. Ah bon? Attends, je vais mettre des Ebel. Hey, qui c'est qui a enlevé mes portes? Elles étaient belles mes portes. Je sais pas. Là, je vais mettre ça comme ça, et voilà, elle passe plus. Y'a quelqu'un qui dit que tu vas pas décider, tu vas DVD. C'est rigolo, ah, ça. J'ai laissé pas rentrer des gens. Hein. J'ai laissé rentrer des gens. Bonjour. Et si j'ouvre là, on peut les tuer par le dessus. Oui. Ah ouais, regarde, on peut. Oh là là. Ça marche bien. C'est marrant quand même à la maison. Bonjour. Non, ferme, ferme, ferme. Mayouf, ferme, regarde, tu te mets là, tu peux les attaquer par le dessus. Mais t'as vu, s'ils spawnent là, on n'est pas comme des... Allô. Ils sont où? Ils sont dans la grotte. Ils sont dans la grotte, mais non. J'ai entendu... Mais ils vont tuer les villageois? Non, attends. J'ai entendu le son dans la grotte, mais ils sont pas dans la grotte. Mais ils sont où? Je sais pas, je les vois pas. Mais ils sont où? Mais on ne veut pas savoir. Je sais pas où ils sont. Si on veut savoir où ils sont, il faut faire clic-clic sur la cloche. Oui, oui, moi aussi. On fait clic-clic sur la cloche? Clic-clic sur la cloche. Ah. Elle a failli m'enfermer dehors, elle est pas gentille, Mayou. Oui, mais j'ai peur. Elle a peur. Ah, mais je me suis fait un trou. Attends, t'es où? Attends, on est full netherite? Et on a peur? Bah non. En plus, attends, j'ai un stuff parfait. Mon armure aussi. Mais oui, mais je veux pas mourir. Bon, ils sont ouais, où? Ouais, mais mourir, qu'est-ce que c'est dans une... Ah, viens, on va dans le jacuzzi. Ils sont pas là. C'est bien, n'empêche, la baie vitrée. Ils sont pas dans le jacuzzi, bon. C'est un premier indice. Ils sont pas dans le jacuzzi. Ils sont peut-être au-dessus. Ah, ils sont peut-être sur la maison, ouais. Va voir, tutu. J'y vais. Allez, mange. J'ai autant de barbe que de couilles. J'y vais. Moi, j'ai pas de couilles, j'ai pas de barbe, donc... Vous pouvez aller sans moi. Allô. Est-ce qu'on a mis les abeilles Allô là-dedans? Ah, ils se trouvaient, ils sont au-dessus, eh. Bah oui, c'est ce que j'avais dit. Coucou. Et en plus, ils peuvent rentrer par la cheminée. C'est vrai. Ah, on entend. Allez, viens. Allez, viens. Imagine, ils rentrent par la cheminée, ça serait tellement... Ah, t'imagines, il y a le gros qui tombe d'ici. Ah d'accord, ouais, oh, si ouais. On appuie sur le truc, ça le met en surbrillance, mais je savais pas. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. Bon, mais ils sont où? Bah ils sont au-dessus là-bas. Ah ouais, ça les met en surbrillance. Mais je savais pas. Mais moi non plus, je savais pas. Ils sont où? Ah, faut venir les gens. Faut viendre. Moi je sais pas me battre, alors c'est bon. Oh là là, j'ai peur. Mais non, faut pas. C'est une mauvaise passe à passer. Ah, il est tombé dans la cheminée. Oh, c'est vrai. Il me le fait lui. Il y en a à la maison. Il est où? Oh. Meurs. Ouais. En plus, il y a la régène, ça va. Bah oui. Moi, je vais sûrement mourir, mais c'est parce que je suis un bras cassé. Vous voulez que je fasse cloche? Oui. Cloche, laissez-moi qui cloche. Bah, il est où le dernier?
Ah. Elles sont en haut. Ah. Ah, j'ai entendu un mourir. C'est marrant quand il fait un fois. Oui. Ding ding. Dingue dongue. Moi. Moi. Il en reste un derrière. Il en reste un. J'aime pas le knockback, hein. T'es là ? Tiens. Oh. Ok, je vais me cacher. Oh. Ah non, il y a une autre raid après le premier raid. Bah, il y en a plein. Non, mais comme ça, je vois où il spawn et après, je ressors. Oui, mais je vais me cacher. C'est hop, ils vont spawner directement par la cheminée. Elle est pratique, cette cheminée, en vrai. Je crois qu'ils sont dans la grotte. Il faut faire toc-toc. Faut faire ding-ding. Vas-y, tu. Je tingue dong. Bah, je vois rien. Bah, non plus. Tingue dong. J'ai peur. Dingue dong. Je suis terrorisée en vrai. C'est vrai. Ouais, je veux pas mourir du tout. J'ai eu un peu peur quand t'es arrivé à Amel. Faut pas. C'est dans la grotte ou pas? Non. Ils sont où? On voit rien. Je sais pas où ils sont, j'étais en haut, j'ai rien vu en haut. Alors. Alors. C'est vrai que si on veut couper le raid, on propose dans le chat de. De juste le laisser comme ça. D'enfermer le d'enfermer le dernier. Et du coup, il suffit juste de le mettre dans un bateau, le dernier, et puis on le laisse comme ça. Hein. Mmh, on le met en exposition. Je vais prendre un bateau. On va le regarder. Mais du coup, il y aura toujours la non, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Ah ouais. Ouais. Dang dang. En tout cas, j'ai entendu le son de le son de la corne là oui, derrière. Oui, moi aussi derrière. Ouais. Derrière. Je vais regarder derrière. Ah, ils sont loin. Peut-être. Oignon. Moi, je sors pas. Hein. Je suis désolée. Je cherchais des bottes en cuir. Je m'enfonce dans la neige. Aïe. D'accord, Mayu, sors pas. Toi qui as une armure si imposante, tu as raison oui. de faire en sorte qu'elle s'abîme pas. Tout à fait. Tu les vois, Emmanuel ? Pas du tout. Mais sinon, on les laisse comme ça. Hein. Tutu, je sors avec toi, tu me protèges. Ah oh bah oui, moi avec mon armure en cuir, on va t'aider Bayou. J'ai plus le truc du raid. Ah bah ils sont là, ils sont tous cloîtrés dans un coin. Oh leur intelligence artificielle est vraiment débile. Hein. T'es où Meulul ? Je suis derrière la base, je vais me mettre en hauteur et je vais les sniper. Et je vais juste garder le dernier. D'accord. Bon, je viens, d'accord. Oui. Mais si y a trop le danger, je déco. Le courage exemplaire de Mayuko, prête à braver tous les dangers. Je les vois pas. Hein. Où qu'il est, monsieur Mlu ? Je sais pas. Je suis derrière. Bah, nous aussi. Il est mort. Bah, nous aussi. Il est derrière où ? Bah, il est derrière que dalle. Hein. Je suis monté et je suis derrière maintenant. Nous. De toute façon, j'aurais réglé le raid tant que vous arrivez. Hein. Ah, c'est bon, je te vois. En effet, ils sont dans un trou. Il va faire nuit okay. En plus. Ouais, oh il en reste il un à buter, c'est bon. Faut faire dodo. On met dans un bateau. Ouais, je vais mettre le dernier dans un bateau. T'as un bateau ? Oui. Oh. Bonjour, jeune homme. Bateau ma pour foi, vous. Fort bien. Aïe. Bon, le beast, il a droppé sa tête ou pas ? Non. Attention, il te tire dessus. T'as un lit, tu tues ? Non. Il y a quelqu'un qui dort là. Ah. Il est dans un bateau. En fait. Voilà, il est dans un bateau, c'est bon. Ouais. On en fait quoi ? On le laisse là. On le laisse là. Ok. Comme ça, il n'y a plus de raid. Tu fais une jolie maison. Il sera content d'être là. Ah oui, je suis si content d'être là. Mais je sais que t'es content d'être là. Oh oui.
dans une si belle maison. Emel, il y a un creeper à ta droite. Effectivement, oui. Tu me fais peur. Je t'en prie. Il survit à un raid et il meurt d'un creeper. Oui. Oh, c'est mieux quand des gars tuent déjà. C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle fait, on dirait? Bah, je lui fais une petite maison. Oh, c'est vrai que tu lui tires dessus avec une boule. Cette boule de neige, ça fait rien. Ouais, oh, ouais. Quoi, oh me tire dessus là, eh. Je vous ai vu, monsieur ML. On est safe. Et du coup, ça va durer combien de temps le truc là? Je sais pas, mais à un moment, ça va disparaître. Waouh, chouette. Puis dans le pire des cas, s'il est toujours là, on sera plus nombreux la prochaine fois, hein. Oui, c'est vrai. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut en faire notre station de suicide. On le met dans un coin. Tu vas pas pouvoir faire la station de suicide. On va le voir. Parce qu'au bout d'un moment, il va plus avoir de flèches et puis il aura plus rien dans les mains. Il faudra lui donner une épée. C'est vrai, ça. Bon, si on lui donne une épée, c'est bon. Oui, avec régène et résistance, oui. C'est beaucoup plus facile de le faire, c'est clair. Mais bon, là, le but, c'est pas de le faire. J'ai récupéré une selle. Oh, eh, c'est pas mal les vitres au-dessus du jacuzzi. Hein. Ça nous permet de regarder les gens qui se baignent. Oh. Oh, 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 oh. Je sais plus si j'avais mangé ça. Non, je suis pas encore mort, c'est pour ça que je veux pas mourir. Il y a des habits en plus, ça va super. Si je meurs, plus de stream. Je n'ai droit qu'à une vie. Plus jamais. Sauf si on te paye. Moi j'ai bien compris là, le sauf si on te paye. Hein. Oui, exactement. Faire marcher le business. J'avais pas vu l'heure, je vais aller au lit. Ouais. Bonne nuit, Mayu Cocotier. Mère aussi. Bah bonne soirée à vous, mais j'aime bien. Merci. Oh ouais. Ciao. Je suis dans le bûcher. Et bisous. Ouais. Jean-Jacques. Ouais. Ok. Je vais voir le Nether. Tu veux voir notre beau et merveilleux Nether? Oui, je veux voir ce qui se passe. Nous sommes en train de faire avec amour. Là on fait que on est en train juste de faire la voie ferrée. Donc faudra creuser encore sur les côtés. Ouais. Mais du coup on creuse en aléatoire ou vraiment tout le mur? En aléatoire. Faut faire en fait faudra que ça donne l'impression que c'est un c'est creusé à la TNT. À l'ancienne. Tu peux creuser à la TNT si tu veux. Ah non mais les tunnels avant ça se creusait à la TNT, enfin la dynamite. Ah bah. Tu peux physiquement creuser à la TNT. Ah, on va éviter, parce que vu que c'est pas résistant, ça. Et faudra juste laisser au moins un de large de temps en temps, pouvoir mettre un petit chemin et des poutres. Tu sais, qui soutiennent au plafond et tout. Je vois. Du coup, voilà. Ce mur-là, tout ce mur-là, je peux le remplacer par exemple par de la deep slate. Ouais. Et un peu plus loin en fait, parce qu'il faut laisser un large, tu vois, faut laisser au moins un large pour qu'on puisse mettre une poutre. Mais en vrai la poutre on peut la plaquer dans le mur. Hein. Ouais, de toute façon ouais, après peu importe où je mets les blocs, on pourra toujours les enlever et les remettre. Hein. Oui, donc bon. Mais et du coup les poutres, tu veux qu'on les mette à tous les combien de blocs? J'en sais rien, je dirais tous les 5 blocs. Tous les 5? Ouais, donc du coup première poutre ici par exemple. Ouais, c'est ça. Ou alors tous les 10 blocs. 5, c'est pas mal, hein. Pendant que je baille. Bah, tous les 5 blocs, c'est très bien. Ça va être très bien. Genre, admettons, on les met comme ça, là, tu vois, derrière. Il faudra les faire mettre en bois-bois, quoi. Ouais, avec des logs. En bûche. En bûche. 10 logs. Faire une arche. Ça peut être chouette. Yes. Je vais m'occuper de mettre des boutons là où il n'y a pas les plaques de pression pour éviter que ça spawn. Ok. Et je vais continuer à mettre des plaques de pression. Je vais continuer à en mettre aussi, ouais. Ouais.
Parce que là, je suis en train de mettre les escaliers sur la côte. Après, il faut que j'aille chercher du bois, parce qu'on a plus de bois du tout. Ah oui. Va chercher du spruce. Bonsoir, Zimox. Ox, Omox. Zomoximux. Maximux. Ah, il y en a qui proposent de faire les côtés en bûche du nether. Je sais pas. Alors attends. Mais what? Pourquoi? Ça marche pas votre idée de garder un bonhomme là? Bah il y a encore le raid. Ah il y a un nouveau raid? Ouais apparemment il y a un nouveau raid. Effectivement il y a un nouveau raid. Bon. C'est embêtant du cul. C'est embêtant. Spruce, on n'a pas des masses, faut que j'en ferme. Bon. Non, non, on a plus rien là, faut aller tout farmer. Yep. Bah, si tu veux, je vais farmer le spruce. Tu peux faire la glace. Il reste pas mal à glacer. Je pense que je vais surtout m'occuper des raiders là. C'est pas fou. J'ai peur de tomber sur toi. Je vais tomber sur un trou. J'ai un petit peu peur. Ça va le faire. J'ai un peu peur quand même. Elle est où la sorcière là? Ah ah. Saloperie. Comment ça, potion de weakness? En fait, ça a relancé le raid, je pense, au niveau où on l'a laissé. Hmm. Potion de lenteur? Ah ouais, potion de slowness, effectivement. Et du coup un raid pour le faire commencer, pour le faire finir, pour faire quoi? Pour le finir? Ouais. Et pour le lancer aussi, histoire de pas le relancer. Pour le lancer, en fait, il faut que tu tues un mob avec une bannière sur la tête. Tu as l'effet de potion pas domaine. Et si tu rentres dans un village, ça lance le raid. D'accord. Et c'est qui la tarte qui est rentrée dans un village du coup? C'est moi. Ah bah super. Parce que notre base c'est un village vu qu'il y a des PNJ. Ah merde. C'est embêtant. Mais il y aurait pas eu les PNJ, ça aurait pas été une base de PNJ. Il y aurait pas eu de... Dis donc les creepers là. D'où il sort le creeper? Il a fait boum. Oh, j'ai eu la tête du pillager. Oh, tu vas l'appeler comment? Pillager. Marie-Louise. Pillager, ça me semble pas mal. Marie-Hélène le pillager. Rebouchons ça. Ok, bon, le dernier. Where is it? Et du coup, ouais, pour arrêter un raid, c'est soit tu tues tout le monde, soit il faut que le raider tue tous les PNJ. Ah. Et du coup, ils auront gagné le raid et il y aura plus de raid. Et peut-être. Si tu éloignes tous les PNJ? Non, c'est possible que ça marche, mais bon, c'est chiant de les déplacer les PNJ là. Bah, s'ils sont tous déjà sur des rails, admettons. Bon, ça peut peut-être le faire. Je peux prendre des dégâts, il y a régène ici. Il y a trop. Oh, il y a des pingelins. Oh, c'est bon, j'ai un chapeau en or, tout va bien. Tout va bien. Bah, je vais farmer le spruce. Hein. Ok. Je vois pas le dernier, je vais le laisser tranquille. Et je vais manger ce que je n'ai pas mangé. Ça, ça et ça. Il faut que je mange toute la nourriture du jeu. On n'est pas en mode DML, tu vas pas gagner des cœurs en plus hein. Non, mais il y a un achievement. Ouais. Il y a un achievement aussi si on reproduit tous les animaux. Ouais. Par contre, on n'a pas de sapling de spruce. Ah si, ils sont là les saplings, pardon.
Sinon, près de on n'a pas de sapling de spruce. Mais comment on n'a pas de sapling de spruce alors qu'on a des spruces partout autour de nous? Mais c'est parce que je pense que c'est parce qu'on a des spruces partout autour de nous qu'on n'a pas de sapling de spruce. Je suis pas aveugle, le chat, y a pas de spruce ici, hein. Bonsoir à ceux qui arrivent. Le dernier, c'est pas celui dans le bateau, peut-être. Peut-être. J'aime pas trop trop les pingelins. J'aime pas trop trop ça. Il regarde pas dans les yeux. Ah non, c'est les pigmen, ça. Non, c'est pas les pigmen, c'est les ombres. Pas les zombies, c'est les Enderman. Je sais plus jouer à Minecraft, les gars. Viens, on va jouer à ML Passion Poney. Je l'ai pas celui-là. Non, j'ai beaucoup de jeux, mais celui-là je l'ai pas. C'est bizarre. Et du coup, t'as jamais fait de cheval? Non, j'ai tellement. Enfin, j'aimerais vraiment pouvoir en faire un jour. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Il y a pas mal de clubs qui proposent des balades de 30 minutes ou une heure. Ouais, je crois que je l'ai fait qu'une fois, c'était quand j'habitais en région parisienne, j'ai fait du poney. Mais pas de cheval, parce que j'étais trop jeune. J'ai amené le zanzou, je faire pas le... Cette... Ça marche pas, Xelosiel. De quoi donc? Qu'est-ce que tu disais? J'ai amené le zanzou, je faire du cheval, c'était... Juste une balade au bord de la mer chez mes parents. Oh, ça c'est devait marrant. Être sympa, hein. C'est marrant, ouais. Après, je fais pas de cheval, c'est juste, tu sais, les balades avec les clubs, le truc. Oui. T'arrives, le cheval il est déjà scellé et ils t'attendent, quoi, tu vois, c'est genre. en mode touriste, quoi. Mais c'est le mieux, c'est le mieux. Un truc que je voulais amener faire le Zanzoumé mais qu'on n'a pas pu faire, c'est du... Je sais pas si t'as déjà fait du VTT de descente. VTT de descente, ouais. Ouais. Mais du coup, c'est trop bien et cet hiver, on était proche d'une station de ski pour le... Pendant le... Enfin, pas cet hiver, celui d'avant, pendant le confinement. Et on n'a pas pu en faire, c'est trop triste. Parce que... Ben, on avait la montagne. On n'a pas pu faire. Ah oui, ça. Truc cool. C'est triste d'être à côté et de rien faire. On a fait de la luge sur les pistes de ski. C'est bien. Oh, c'est déjà ça. Ah bah la luge sur les pistes de ski, c'est épique, hein. Tu vis pas du tout pareil la descente, hein. Ah bah les pistes de ski, moi j'en ai jamais fait, hein. J'ai jamais fait de ski non plus. Non. Ah bah on t'invitera. Ah bah écoute. Enfin, si je veux dire, enfin, si ça te chante, mais ça choix. À mon avis, si tu te barres, le raid va de nouveau recommencer. Ouais, mais si je me barre pas, comment je fais pour récupérer du spruce? Je vais pas rester planté là pendant une demi-heure à vous regarder dans le blanc des yeux. Et je peux pas vous regarder dans le blanc des yeux, je regarde ma webcam. C'est vous qui me regardez dans le blanc des yeux. Tu les regardes dans le blanc de la webcam. Il n'y a pas de blanc dans la webcam, elle est toute noire ma webcam avec deux lumières bleues. Ah ouais. Pour me dire qu'elle est allumée. Besoin de deux lumières pour te dire ça. Mais non, c'est pour me dire que c'est en marche. C'est comme ta télé avec la veilleuse rouge. J'ai pas de télé. Ah voilà. Qu'est-ce que je cherche, cerveau, branche-toi s'il te plaît. Ah, oh, c'est pas possible. Je voulais du spruce, mais moi aussi je veux du spruce. Allez, c'est bon, on va chercher du spruce avec elle. Je suis allé tout droit en sortant de la base. Toujours pour du spruce. Yes, de la glace ou du spruce. Attends, dans mon chat, ils sont en train de dire quel cerveau tu tues. Ah, mais non, mais c'est terrible. C'est terrible. Surtout aujourd'hui. Pas beaucoup dormi. Pouf, je vais mourir. Le MLL, il a dit tout droit. Enfin, je vois des arbres. Bah, c'est là que je suis.
Je vois des arbres via mes yeux placés sur ma tête. Ancré dans ta tête. Peut-être. Ok, j'ai au moins de quoi faire pousser un gros bonhomme. Oh. Quel est le nom de votre team Chemino? Faudrait qu'on mette des notes blocs pour quand les gens arrivent que ça fasse pam pam pam. Eh ben je t'ai pas trouvé ML. Bah pourtant je casse des armes. Bah je vais en casser un autre. Je vais revenir avec plus de saplinge. Ça se trouve t'es pas au même endroit où il y a des armes. Non, ça se trouve t'es pas qu'il y a des armes. T'es pas allé au même endroit que moi, voilà. Non, je suis pas au même endroit que toi. Même pas du tout. Même pas du tout, du tout. Ah! Ça se fait du Wither. Je vais pas tarder. Mes notes blocs ou un fameux data pack. Ah oui, non, mais non, demi. En gros, j'explique pour le data pack. Mm-hmm. Oh non, il y a les grosses bestioles du raid. J'ai un peu peur. ils sont à côté de la maison. En gros, les copains, ils ont fait un data pack. Ou, enfin, pas vraiment, enfin, oui, oui, mais non. Et en gros, les bruits des rails, ça fait pas tac-tac, tac-tac, ça fait pa-pa-pa-la. Pa-pa-pa-la. En boucle, en fait. Oh là là là, il y a de quoi devenir fou avec ça, hein. Ouais. Mais ils avaient changé le soleil par un gros poulet qui brille. Donc ça va. Oh, ça passe, non. Est-ce qu'il y aura des grèves de train? Des grèves de train, il y en aura toujours. Oui. Et puis on sera toujours en grève, on sera toujours en retard. D'ailleurs, faut que je prenne l'habitude de commencer mes lives en retard maintenant. Ah bah oui. Faudrait que j'arrête de commencer à 21h, faudrait que je commence à 23h. Ou alors que je commence demain. Voilà. Bah maintenant, il faut que tu dises que c'est à 20h et que tu commences à 21h, tu vois. Non, j'ai mieux. En fait, vu qu'il y a souvent des annulations et des retards, demain soir, on va faire un live, mais c'est celui que j'aurais dû faire ce soir. Pour rattraper le retard. Je comprends. Et celui que je fais ce soir, c'est celui que j'aurais dû faire hier. Mais je m'étais arrêté hier parce que j'avais fait 24 heures, mais c'est parce que je suis en retard. Oui, bah oui, c'est pour rattraper. Normal. Moi, je vais m'arrêter ici parce que je vais dormir parce que demain, je travaille. Voilà. Je vais voir si Zanza qui veut recommencer le stream à ma place. Tu veux stream? C'est bien. Non. Zanza aussi, il veut faire du dodo. Alors, je te dis bonne nuit, monsieur a mal touché. Eh bien, bonne nuit. Donne plaisir. Et à très bientôt. Attention, il y a un raid devant la porte, monsieur a mal touché. Oui, ça va le faire. Je les ai vus, grâce à mes yeux. Je vais les tuer. De toute façon, j'ai récupéré suffisamment de... Suffisamment de sapling et de bois, je pense. Ok. Bonne nuit, monsieur Melulul de jeu. Bonne nuit. Avoir deux trains de la hype minimum par stream. Bah, ce serait bien pour les cheminots, avoir des trains de la hype. On est à combien? Ouais, c'est bon au niveau sapling, je pense. Hein. Bon, on va retourner à la base et on va s'occuper de ces raiders. Là. Je vais être tout seul à avoir Hero of the Village. Ok, c'est là-bas. Un train de live, ouais, ça se lance avec les gifs subs, les subs, les bits. Pas les dons, ça marche pas. C'est vraiment sub, gifs sub et bits. Et le train revient toutes les 1 heure. Donc dès qu'un train de live est passé, faut attendre 1 heure avant que le prochain puisse revenir.
Ah oui, il y a une grosse bestiole là-bas, effectivement. Par contre, on a... Ah si, on a toujours la barre de raid. Ok. J'ai rien dit. Oh. Quand on tire avec l'arc et flame sur la peau de Red Snow, elle dégage. Je savais pas ça. Il a droppé sa tête ou pas le bonhomme? Non. C'est trop bien ça. Bon, ils sont où les autres? Faut que je passe la nuit. J'utilise quoi comme pack? Le mien, celui que j'ai créé et qui n'est pas dispo au public parce qu'il n'est pas fini. Pas de raid ici, ok. De toute façon, je vais dormir dans un lit directement. Dans celui-là. Oh, il y a le beacon d'émeraude. Bah, on a tellement d'émeraudes avec les PNJ que bon. Ok. J'aimerais m'occuper du raid avant de partir. Enfin, de repartir dans le Nether. Faut que je trouve les autres. Pardon ? Ok, il doit y avoir un trou quelque part. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont en dessous, hein? Non. Enlève la cobble. Quelle cobble? Ah, ici. Effectivement. Oh, bordel de merde. Taillou, taillou, taillou. Oh, ils veulent me bouffer le cul, hein. Ils sont derrière, les petits bâtards. Je suis dans la porte Snow. Tiens. Tiens. Le Vex, il est là-haut. J'ai un peu galéré à mettre le totem dans la barre d'inventaire, quand même, hein. Mais bon, c'est bon. Et il y en avait un autre qui était en bas, hein. Donc ouais, ils ont spawné dans la grotte pour le coup ici. Vu que là, ici, c'est un trou, il va falloir reboucher, hein. Comme ça, ça respawn plus à l'intérieur. Et de la neige qui traînait ou pas, hein. Pardon. Respecte-moi, s'il te plaît. Merci. C'est du quartz. De la neige là. C'est pas assez. Il y a beaucoup trop de blocs partout. Et bon, on va reboucher avec de la deep slate. Ah, ça spawnait de là-haut, non? Ça a peut-être spawné là-haut. Ou alors ça vient de là. Pas une entrée d'ici. Ils sont peut-être tombés là. Je sais pas. Merci, Jonah Rasta. Pour le deuxième mois Prime, merci à toi.
J'ai cru l'entendre, le mec, il doit être en dessous. Ouais, il est en dessous. Ah, il y en a deux en bas, là. Ils sont tombés là. Il en reste un, ça doit être celui dans le bateau. Donc, eh ben, on va le laisser. Parce que du coup, avant d'aller dans le Nether, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à farmer du bois. Là, l'idée, c'est pas que j'ai pas envie d'aller faire le raid, c'est que c'est hyper mal placé pour faire le raid. Ils peuvent spawner dans les grottes, ils peuvent spawner dans les petits trous comme on a vu, en hauteur. Enfin, c'est le bordel pour faire ce raid, donc je préfère le faire dans un village plutôt flat, comme ça il y a plus d'espace et on est tranquille. Donc je vais me concentrer sur le farming. Ça ira très bien. Je sais pas combien de vagues il reste. Snow block, tiens, il y en avait là. Y'a d'autres améthystes quelque part là-dedans? Non, c'est bien alors. Robif, je sais même pas si je l'ai mangé déjà. Donc le bois, on va refaire des slabs. Enfin des slabs, des plaques de pression. Vu qu'on va en utiliser partout de ces plaques de pression, autant tout crafter en plaques de pression. Voilà. Le reste du bois, on en fera des boutons. Mais c'est pour ça que je repars pas, vu que je vais rester dans le coin pour farmer là. C'est l'idée. C'est l'idée. Tu me dis, il y a de la dirt là. Si je m'éloigne trop loin. Si je me mets là. C'est bon pour farmer le bois, ça a l'air. Je vais enlever cet arbre. Qui dérange. Non mais ça. Une plateforme au milieu de l'océan. Ouais bah là pour le coup tu les vois direct hein. Mais je veux dire t'as pas mal de villages qu'il y a dans le coin. Ce sera plus simple de gérer un raid dans un village qu'un raid dans une montagne avec plein de choses à l'intérieur. Là c'est le gros bordel hein. Ouais, à minuit je m'arrête, ouais. Je vais pas jouer plus longtemps. Moi je pense pas jouer plus longtemps. Ce sera déjà pas mal. On a fait une map complète qui nous a pris... quoi, le deux tiers du stream. C'est dommage pour le raid parce que je vais être obligé de rester ici le temps que le raid est activé. On pourrait pas aller dans le Nether tout de suite. C'est la troisième qu'on a bloqué. Ouais mais j'ai pas envie de les faire les vagues. Tu vas transformer tout ça en puzzle. Salut. Ah, il y a de la neige, c'est pour ça. Là c'est mieux. Voilà. Une petite achute pour info, ok. Ah sur le beacon, non. En vrai j'irai pas enfin vraiment plus vite. Ça va. J'ai hâte qu'on puisse avoir le nouveau type de bois d'ailleurs. Sur la prochaine mage.
Dernière fois qu'ils ont ajouté du bois, c'était avec bah, les nouveaux biomes là. Qui se rappelle d'ailleurs quand ils ont commencé à ajouter les nouveaux biomes, là les Dark Oaks c'était. Je crois qu'ils avaient laissé du Oak. Et les Acacias c'était encore du Jungle. Jusqu'à ce qu'ils changent le type de bois. Est-ce qu'il y a tes horaires pour le stream sur le Discord ou pas? Oui, je mets un planning. Et sur le planning, tu peux voir à quelle heure je stream. Ah oui, le dernier boss, c'était le Nether, t'as raison. Je l'avais oublié ce bois-là. T'as commencé avec la 1.15. Ah. Ouais, à l'époque, quand ils avaient fait l'update pour les nouveaux biomes avec le bois, là. Attends, c'est chiant ça, non? Pourquoi tu pousses pas? C'est quoi du spike, là? Dégage-moi ça. Nice. Ah oui, c'est le grand trou, là. Moi je crois que je suis arrivé en 1.49. Parce qu'en fait la première fois qu'on m'a montré Minecraft, je l'ai trouvé dégueulasse le jeu. J'ai pas du tout aimé la façon dont il était. Sauf qu'au final j'ai vu un pote y jouer sur YouTube, qui m'a donné envie. Quand j'ai vu toutes les possibilités, parce que on m'a montré Minecraft sans pour autant me dire qu'est-ce qu'on pouvait faire dedans. Bon, à l'époque on pouvait pas faire grand chose hein. Mais on m'a montré Minecraft sans pour autant savoir ce qu'on pouvait faire dedans. Et j'ai vu un pote y jouer sur YouTube, où il allait dans un village, il farmait des trucs, il faisait ses chemins de fer, etc, etc. Et j'ai trouvé ça super bien. Et je me suis dit tiens, let's go. Bon, ça pousse ou pas? Ça m'agace, toutes ces torches là. C'est quoi? Go. Si je mets une torche là. Light, c'est où light? Où est-ce que s'affichait le light déjà là-dessus? Ah, c'est là. Oui, on est loin d'avoir. Voilà, on peut même enlever ces torches là, je dirais. Hein. On est sur du 2 ici, ça pose pas de problème. Ouais, c'est bon, ça spawnera pas. Voilà, c'est mieux. Ah, y a plus de raid. Nice. T'as commencé dans la version où la barre de bouffe venait juste d'arriver. Yes. Ouais, c'est vrai qu'au début Minecraft c'était que du créatif. Ouais. Tu es un vieux de la vieille. Depuis la bêta sur navigateur. Ah la vache. On va pouvoir aller dans le Nether, poser les plaques et les boutons. Ah, j'ai l'inventaire plein. Full inventaire. On va dégager ceci, ceci, cela. Ouais aussi. Ok, et mon lit je vais le récupérer. Bon, plus de raid, on est tranquille. Si on enlève la bêta, le jeu a toujours été survie. Le créatif est apparu en 1.18. Quoi?
Le créatif, il a toujours été là. C'est le premier mode de jeu qu'on a eu, le créatif. Ah oui, du coup, pour ceux qui veulent voir, un craft qu'on a sur Olicube, c'est ça. Basalte. Oups. Et bonne. Pour faire de la calcite. T'as commencé en 2012 chez un pote, car j'avais pas d'ordi. D'accord, tu sais plus quelle version c'était. Tiens, mange ton steak. Voilà. Et on va aller dans le Nether. Et les PNJ dans le coin n'ont pas eu de problème. Ok. Donc pour les boutons, on les pose dans ce sens là. En gros, au début, ça a fait créatif, survie et les deux. Donc quand ils ont foutu la survie, ils avaient retiré le créatif. Non, je vais pas le faire en bateau. C'était surtout des forums, ouais. L'époque des forums, c'était cool. Oups. L'époque des forums, c'était cool. Mais ils ont pas mis toute la glace. Et en plus, je pose mes plaques de pression n'importe comment, moi. Si je streamais plus longtemps, j'aurais terminé ce chemin. Ça me donne envie, hein, mais bon. Faut pas que je stream plus loin que minuit. Sinon, demain, je vais pas tenir. J'ai surtout encore du taf, donc bon. Calme-toi. Do it. Non. Non, non, je le ferai pas, non. J'ai une vie, je tiens à la préserver quand même un minimum. Et comme dit, j'ai du taf. J'ai un mode pack à terminer. On va faire le maximum qu'on peut faire jusqu'à minuit. Ensuite, on verra. Pack de pression, sinon j'en ai encore. J'ai pas mis de pièces en or, j'espère qu'il y aura pas de piglines. Mine de rien, les Vex ils font quand même vachement mal. Hein. C'est violent là, les dégâts qu'ils font. Hein.
Ouais, la difficulté du serveur est en hard, ouais. Il reste 17 minutes. Bah oui, mais je vais pas me presser, hein. De toute façon, le couloir sera pas fini, hein. C'est une certitude, hein. Ouais, j'ai pas connu ça, Basilic. Ok, tac. Où c'est vous ? Ok, on arrive là. C'est tout ce qu'on a pour le chemin de fer pour l'instant. On va mettre les boutons maintenant. Voilà. Là, ça date d'il y a longtemps, les hacks de Zelda 1. Oh, c'est long. Je sais pas combien de blocs il fait ce couloir, mais il est long, hein. Salut, Croc-Blanc. Il est parti. Pourquoi je les pose pas dès maintenant ? Oh, regarde la texture du bouton. Tu la vois la texture du bouton comme ça ? Si je la mets sur le retour, la texture du bouton elle est inversée. Donc je les pose dans ce sens là. Pour avoir les boutons dans le bon sens. Ça se verra pas, hein. Mais moi je le saurai. Fuck you. Ah, c'est qu'un détail, hein, mais bon, c'est comme si je mettais les boutons comme ça aussi, hein. Ça ferait bizarre. Ça change quoi les boutons et les plaques? C'est pour éviter que les mobs ne spawnent en fait. Les mobs vont toujours pouvoir spawner là-dessus. Là, c'est des slabs donc ça spawnera pas. Mais là-dessus, ça spawnera plus à terme parce qu'on mettra de la déco. Comme si on avait une mine. Donc c'est l'idée de Tutu qui est validée. Et plaques de pression et boutons, bah c'est pour éviter que ça spawn. Alors on aurait pu mettre que des plaques de pression ou alors on aurait pu mettre que des boutons. Mais en fait, mettre des plaques de pression comme ça, ça fait... comme si, comme s'il y avait des planches en bois, comme des vrais rails en fait. Parce que normalement là, il va y avoir des spruces. Pour imiter le bruit du train, ouais, quand tu marches, d'accord. Mais alors quand t'es avec un bateau, ça fera pas un bruit de train, ça fera ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ça fera un bruit de mitraillette surtout. Des portillons, oh non. Faut toujours faire sa base propre. En bordel, tu t'y perds. Ouais, c'est surtout qu'il va manquer de la glace sur l'autre côté. Faut que j'en récupère.
un battement de cœur quand je pose les boutons. C'est possible que ce soit spawnable, pardon, les portillons ouverts, je sais plus. Ok, c'est good. J'ai pas de bateau avec moi, c'est pas grave. J'aurais pu en faire, mais tant pis. Là, il faudrait des... Tu me diras, là, c'est des slabs de spruce, je peux commencer à les mettre au retour. Que j'ai une table de craft, donc ça se fait. J'en ai même deux. C'est non ça. J'ai intérêt à faire gaffe et à bien poser mes planches parce que je crois qu'il y a un trou à un moment ici. Hein. Je regarde. C'était là où il y avait le trou. Oh là, j'ai eu des frissons. Si je marche un tout petit peu sur le bord là, si je marche un peu sur ce bord là et que je vise bien, hein, je devrais pas tomber dans le trou. S'il y a un trou, bonjour, intéressant. C'est bon. Les squelettes random, c'est parce qu'on passe sûrement par un biome... Ça m'intéresse. C'est sûrement parce qu'on passe par un biome où les squelettes peuvent spawner. Tiens. Donne-moi tes boules. T'es boule, bonhomme. Voilà. 4 enderpearls, bah dis donc. Ça, c'est nice. TFQ. I don't understand. Souris. Il avait deux perles bougre, eh ouais. Je vais aller ranger les underperles. Ah, je fais quoi? Je fais le chemin dans le nether. Qui relie la base des cheminots au spawn. Ça me perturbe de pas avoir les saplings au même endroit que le bois en vrai. Hein. C'est perturbant. Ok, on va aller chercher un peu de glace pour faire l'autre partie du chemin là en glace. Regardez, une table de grave, il n'y a pas besoin d'en avoir 50. La pomme, on va s'en faire une pomme en or. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas des pommes en rab là-dedans? Non, ils ont dû récupérer pour faire des pommes en or, normal. Ok. Lapin, j'en ai suffisamment mangé. Tiens. La map, je vais la garder sur moi parce que la map, je vais encore la travailler pour mettre des waypoints et faire des... Faut que je regarde c'est quoi leur craft d'ailleurs. Faire des... C'est quoi ce A? Il y a un A qui dure... C'est quoi? Je vais écouter une connerie, hein. Ah, oh, c'est une musique, ok.
Ouais, y a un gars qui fait des musiques pour les Stonks. Qui fait des remixes. Donc, Craft Custom, comment ils ont changé ça? Le bois, on peut le passer d'ailleurs dans le Stone Cutter. Hein. Alors, bloc. Item. Bah, ils l'ont même pas mis. Ils l'ont même pas mis. On voit pas le craft. C'est faster. Il est doué, hein. Donc non, je vois pas le craft du... de ce que je veux. Je sais pas comment on a dit qu'on faisait. Ouais, les bottes en cuir, faudrait que je les répare. Il y a du cuir, là. Boum. 4 de cuir, 4 d'XP. Ça vaut le coup, hein. Je vais essayer un craft. Je sais pas si c'est ça le craft. Mais je vais l'essayer. Parce qu'il n'est pas dans le dock malheureusement. Est-ce que ce serait ça? Et ça? Non. Bon bah je sais pas c'est quoi le craft du lodestone modifié sur Holy Cube. Ils l'ont pas mis dans le dock, donc je ne sais pas. I don't know, va falloir que je regarde, je télécharge le fichier pour voir c'est quoi les crafts custom dedans. Ça c'est moche ça. Ah oh, c'est cloche, ça peut se garder. Les chiens, taisez-vous. Bon, glace. De base c'est de la pierre sculptée. Ouais mais le craft a été modifié. Pour qu'il soit beaucoup plus simple. Donc je sais plus. Donc on va prendre tous les spikes qu'il y a devant. Comme dit les spikes, on pourra les refaire si jamais. Un lingot de fer. Non, normalement c'est un lingot misérique par défaut. Et comme dit, là si on connaît pas le craft, on va perdre notre temps à essayer de le chercher. Je regarderai directement dans le dock. Enfin, dans le dock. Je téléchargerai le datapack des craft custom pour les cubes sur le serveur. Je le rajouterai sur le dock comme ça on le saura. C'est quoi cette tour? C'est pour faire l'achievement de sauter du plus haut et descendre du plus bas. Faire le Kevin Cliff. Ah, il y a des blocs transparents. Ah, c'est bon. Ce jour qui pop d'un coup. Alors table de craft, blue ice, boom. Je sais pas combien il va nous en falloir. Au milieu. Les craft custom ne sont pas rajoutés dans le bouquin vert. Non, les craft custom, il faut les faire une fois pour les rajouter dans le bouquin vert. Après, il me semble que dans la construction d'un craft custom, tu peux faire en sorte que le craft soit appris de base, je sais plus. Faudrait que je regarde encore une fois. Par exemple, pour avoir du... Comment il s'appelle ce bloc? De la Red Nether Brick.
sur les cubes, on a le craft qui permet de le faire directement avec les blocs plutôt qu'avec de la Nether Wart et la Nether Brick. On a le bloc de Nether Brick et le bloc de Nether Wart pour faire ces blocs de Red Nether Brick. Peut-être dans la neige. D'ailleurs, je vais enlever la ice directement au sol là. Il faut créer un advancement pour donner la recette au joueur quand il obtient un ingrédient. D'accord, c'est un advancement alors. Ça va faire des jolies petites roues ici, hein. On aime bien. Alors ça donne quoi? Ok. Ouais, le full stuff netherite, on l'a eu hier. Pendant la live 24h. C'était l'objectif du live 24h. Full netherite. Enchanté mending. J'ai pas les meilleurs enchantements en termes de protection. Il y a certains, c'est encore du protection 3, donc c'est pas encore le top du top. Mais au moins, c'est netherite. Direct des récupérants ont explosé. Ouais. Bon, je vais récupérer celui-là, le gros là. Je transforme ça en blue eye, je le fous dans le nether et puis on s'arrêtera là. Parce qu'il est déjà minuit. On va au moins terminer ça. Instantanément comme ça, c'est trop bien. Ok, blue ice, et on va poser ça dans le nether. Je suis pas sûr on aura assez. On verra bien. Ça d'ailleurs. Ça manque de balises, il va falloir en faire d'autres. Flemme. Il y avait quelqu'un qui minait en bas là, dans le nether. De là. Je vais pas les reposer à reculons les blocs parce que si je tombe dans un trou, ça ferait chier. Allez. Oh, le petit lag. Nice. J'aime bien les petits lags. J'ai mis le mode pour pouvoir parler avec les autres joueurs, mais je sais pas si les autres les ont installés. Mais non, je veux pas de bloc ici. Bonne nuit, Julijad. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire « eh » quand je vois un « a ». Une horloge qu'on entend. Quoi déjà? My god, il faut une quantité. Bon. Et bah rip, le chemin sera pas terminé. Mais bon, je me fais pas de soucis, hein, les.
les gars, quand ils se connecteront demain, pour en continuer. Puis nous, c'est pareil. Hein. Si demain soir, quand on jouera, parce que demain soir, il y aura un autre stream. Si on continue, enfin, si on se connecte et que c'est pas fini, on avancera là-dessus, je pense. On avancera là-dessus. Rentrons à la base. Et on va faire un raid. Allez. Yes. On va rester ici. Je remets mon set point là. Tac, tac, tac. Nice. Mets-toi les boots. Ici, voilà, comme ça on brille de 1000 feux. 500 blocs de long. Ouais, donc il faut plus de 2 stacks, clairement. Ok, donc on va s'arrêter là pour ce soir. On reprendra demain soir, Holy Cube, tranquillement, gentiment. Je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre pour cette fin de stream. Hop. Je vais vous envoyer chez Monsieur Wotan. Oh, je craque de partout, c'est terrible. Qui est aussi sur Holy Cube, mais qui, on n'est pas dans la même team. Mais Wotan joue sur Holy Cube. Donc je vous laisse, merci d'avoir suivi, et puis une bonne nuit à ceux qui vont se coucher, et à demain, bye bye. We'll be right back.